Bonjour. Bonjour. Bonjour, valeureux combattants. Bonjour, enfants de la libération. Bonjour, famille combattante. Bonjour, bonjour. Partagez, s'il vous plaît. Partagez le direct. Nous sommes ensemble. Bonjour, Camto Philippe. Partagez, s'il vous plaît, partagez. Partagez le direct. Bonjour famille combattante. Bonjour. Ton nom là, ça s'écrit, on dirait. Oh là là, si je pouvais le lire. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour les combattants, bonjour. Bien heureux d'être avec vous. C'est toujours un plaisir d'être avec vous, chers combattants. Voilà. Partagez s'il vous plaît. Partagez pour qu'on partage ce moment de boost. Vous savez, ici sur la page. On ne parle pas trop d'informations par rapport aux activités qui nous mènent à la distraction, mais ici, on se booste d'énergie. Ici, on s'encourage pour qu'on reste focus sur le combat de libération dont nous avons choisi de porter. Ici, on se booste d'énergie pour avancer toujours avec tout le dynamisme, avec toute la force, toute la puissance dans ce combat de libération dont nous avons choisi. Nous, peuple camerounais, nous, enfants dont la nature a orienté afin que nous puissions être le plus lucide possible et pouvoir un jour, au moment donné, porter la libération du pays, être en face avec ce système machiavélique, ce système d'aliénation, ce système de voleurs, ces voleurs au col blanc, ce système dont ils ont choisi d'être les ennemis numéro un de la nation, au lieu de porter le peuple, d'accompagner le peuple à pouvoir s'accomplir et de pouvoir jouir de la vie. Ah oui, je pense bien que si nous sommes ici sur cette terre, c'est parce qu'il y a quelque chose de très grand. Je pense que nous avons été façonnés pour que nous puissions être en face d'un destin qui nous permettra d'avancer vers l'accomplissement. Voilà. Et pour cela, chers combattants, il a fallu que dans les structures, il a fallu que dans les systèmes, il y ait une tête, ce qu'on appelle l'État, le gouvernement, qui devait accompagner la politique de la nation à pouvoir diriger son peuple vers ce grand chemin d'accomplissement. Mais malheureusement pour nous, au Cameroun, nous n'avons pas eu cette chance. Et c'est pourquoi, étant en phase aujourd'hui avec la destinée, étant en phase aujourd'hui avec les réalités qui s'imposent, donc nous, enfants de la libération, nous avons décidé d'accompagner ce que le système devait faire. Donc nous avons accepté d'accompagner la destinée, la nation, car nous sommes des êtres vivants, nous sommes là sur Terre et nous sommes témoins oculaires de tout ce qui se passe aujourd'hui au sein de notre nation. Donc, chers combattants, partagez le direct, connectez ceux qui vont être connectés et nous allons passer à la phase supérieure. Nous avons déjà élaboré des choses, nous avons fait des choses très importantes depuis le début de cette révolution. Nous avons bravé le froid, bravé le soleil. Nous avons fait tout ce qu'il y avait à faire pour pouvoir avancer sereinement. Et au fur et à mesure, nous sommes toujours en train de gagner des batailles. Nous gagnons des batailles, oui, il faut le dire. Parce que si ce n'était pas ces batailles que vous, peuple révolutionnaire, que nous, peuple révolutionnaire, enfants de la nation, si on n'avait pas décidé de braver toutes ces circonstances, c'est qu'aujourd'hui, on n'en parle plus. C'est qu'aujourd'hui, le système est déjà établi. C'est que le système s'est rétabli. Et que le système continue son mode de fonctionnement, aliénation de la population, dogmatisation de la peur, en somme, détruit la nation. Donc, peuple combattant, vous êtes là aujourd'hui déjà très nombreux qui avez embrasé ce combat. Mais il faut qu'on le sache et que cela soit une réalité certaine, que le choix que nous avons fait est un choix de très grande importance. De très grande importance, pourquoi? Parce que lorsqu'on se souvient, lors de la guerre dite des martyrs, il y a ceux qui étaient là comme nous aujourd'hui, qui ont pris une position. Aujourd'hui, ce qu'on appelle basse n'est pas différent de ce qui était UPC à l'époque. Donc les UPC, c'était ceux qui voulaient, qui avaient choisi d'accompagner la nation à la totale indépendance. Donc se mettre en avant pour et prendre les rênes pour l'accomplissement de la nation.
dont la base aujourd'hui n'est pas différente de cette, de l'UPS à l'époque. Et par conséquent, vous qui avez embrasé le combat, vous qui à tout moment, à toute heure, avez une pensée certaine pour la libération de cette nation, vous n'êtes pas différent de nos héros qui nous ont quittés il y a longtemps, d'une manière tragique, d'une manière naturelle, quelle que soit la manière dont ils sont partis. Ça a été des combattants comme vous et nous aujourd'hui. Donc, ceci dit, chers combattants, partagez le direct avant qu'on entre dans le vif du sujet, parce qu'il est très important que nous entrons dans le vif du sujet. Entrez dans le vif du sujet pour pouvoir faire renaître. Parce qu'à chaque fois, que nous avons gagné une bataille, on se trouve toujours face à une circonstance encore difficile. Quelle est difficile, pourquoi? Parce que au fur et à mesure que les batailles se gagnent, il faudra qu'on soit rebosté d'énergie. Il faudra qu'on se mette en tête que le combat vient juste de commencer. Et lorsqu'on se met cela en tête, les gars, donc dès qu'une victoire, une bataille a été conquise, on rentre, on se restaure et puis on revient nouvellement dans le combat. Et ce qui est le cas pour tous les combattants dignes de cette révolution. Donc, aujourd'hui, je me permets de parler parce que, comme vous savez, le peuple et nous, nous sommes en face. Et à chaque fois qu'il y a un souci particulier, ils sont obligés de nous contacter. De nous contacter, pourquoi? Parce qu'il fut un temps que moi-même, dans les réseaux sociaux, j'ai essayé de vouloir résoudre certains problèmes du combat au sein, en mode vision. Vous m'avez contacté, peuple camerounais, et me dit que c'était une grande erreur. Et franchement, j'ai été reconnaissant et j'ai fait aussi un direct pour vous remercier parce que depuis lors, je suis entré dans la sérénité, dans le combat. Et je ne m'occupe plus des affaires, des mœurs. Voilà, on peut le dire ainsi. Donc, je dis, lorsque le peuple m'appelle, il vous reconsacre aussi aux internautes que vous êtes. Parce qu'à chaque fois que vous allez permettre, lorsqu'on gagne une bataille, que certains activistes viennent pensant que le combat est terminé et commencer à parler de X combattants ou Y combattants, commencer à crier des années au sein de la famille combattante et que vous envoyez des cœurs pour les encourager. Que vous ne parvenez pas à les appeler comme vous m'appelez. Lorsqu'il y a un souci que moi-même j'ai créé, oui, je suis un être humain, je fais des erreurs. Et je m'arrange toujours à ce que, au fur et à mesure que les jours vont se passer, au fur et à mesure que le combat avance, je m'assure qu'au fur et à mesure, il faut que je puisse faire le moins d'erreurs possible. Vous m'avez contacté à l'époque lorsque je fais des posts pour pouvoir résoudre certains problèmes en mode vision. Donc aujourd'hui, lorsque certains activistes font pareil, vous avez aussi ce droit inaliénable. Vous n'avez pas peut-être le numéro de téléphone, mais vous avez l'inbox via Facebook. Vous pouvez les téléphoner comme certains le font. Vous pouvez les écrire pour qu'ils se remettent sur pied et qu'ils pensent d'abord au combat de la libération nationale avant de penser à une quelconque position après le combat. Parce que je vous dis sincèrement, c'est ça qui tue certains activistes dans le combat. Et c'est ça qui fait en sorte que parfois ils créent des groupes, ils créent des règles, ils créent, je ne veux pas prononcer le mot secte parce que c'est un peu trop fort, mais on va le prononcer. Ils créent des groupes de combattants sectaires pour combattre d'autres combattants. Oui, toi avec ta tête de mort, vous commencez à envoyer les cœurs, c'est comme ça, voilà. Parce que ce que je dis aujourd'hui, c'est pour que vous, peuple camerounais, vous, en tant que gardien Bon, voilà une personne qui envoie les têtes de cœur, ça commence à signaler, les têtes de mort, pardon. Je pense que ce que je dis est d'une très grande importance parce que pour parler avec le peuple combattant dont vous êtes, il faut automatiquement qu'il y ait un moyen de le parler. Et ce moyen, c'est ce moyen de communication que nous avons et ce moyen qui nous permet de mobiliser, qui nous permet de faire tout ce qu'on a à faire. Donc vous, en tant qu'acteur et gardien de cette révolution, il en va de soi que si un combattant se lève encore pour venir parler de notre combattant en mode vision, s'il vous plaît, essayez de le contacter et parlez-lui. Puisque c'est vous qui êtes les juges de cette révolution. Vous êtes les témoins de cette révolution. Vous êtes les acteurs de cette révolution. Nous formons en quelque sorte ce qu'on appelle le contre-pouvoir. Donc en tant que contre-pouvoir, par rapport au système machiavélique qui est là actuellement, qu'est-ce que nous on devient? On devient le peuple du contre-pouvoir. Ça veut dire que ceux qui sont en face maintenant, qui sont sur le terrain pour pouvoir combattre, pour pouvoir gérer les situations, envoyez les cœurs s'il vous plaît.
Parce qu'il y a un qui a voit les têtes de mort là et ça a commencé à signaler tout à l'heure. Parce que si se sent concerné, envoie les têtes de mort s'il vous plaît. Envoie les têtes de cœur, les cœurs s'il vous plaît. Parce que ceux qui envoient les têtes de mort, on va d'abord être bien franc. Ici, nous n'avons pas parlé d'une tribu. Ici, on ne parle pas d'une entité combattante. Ici, on ne parle pas d'un parti politique. Ici, on parle de la nation. Donc, par conséquent, celui qui va venir commencer à envoyer les têtes de mort, c'est celui qui se sent directement concerné. Et si tu te sens concerné, il est mieux que tu envoies un message là pour qu'on sache qui tu es, pour qu'on te bloque rapidement. Parce que ici, nous, on a pour objectif de recadrer, de restructurer la révolution dans tous ses sens. Pourquoi? Parce que nous formons aujourd'hui une famille combattante. Et par conséquent, il faut que quelqu'un soit là pour parler, pour que ceux qui ne sont pas encore conscients, ceux qui se réjouissent lorsque un combattant vient parler de X ou Y, parce qu'il est fan de ce combattant, il mène le combat à la dérive. Et je vous rappelle encore, et je peux encore vous rassurer, au camp d'en face, ils se réjouissent bien. Ils se réjouissent lorsque nous, enfants de la nation, lorsque nous, familles combattantes, on vient à mot de vision, on commence à parler de X ou Y combattants, parce que on se sent peut-être influencé. Influencé en quoi? Nous luttons pour quoi? Ça, c'est la question que nous devons nous poser. Avant de penser que ce qui nous fait nous lever, ce sont des affaires d'injustice sociale, d'injustice politique. Donc, c'est lui qui envoie les têtes de mort là, par rapport à ce que je suis en train de dire. Qu'il écrive là, comme ça je le bloque rapidement, que d'aller en l'acheter. Sinon, vous, peuple de la nation, vous avez le devoir et le droit d'envoyer les cœurs qui vont être plus puissants que lui. Parce que il y a certains qui se réjouissent aujourd'hui qu'après une bataille, au lieu qu'on revienne sur le terrain, qu'on revienne maintenant en mode vision, pour faire comprendre au peuple que bon, vraiment, nous avons réussi une bataille, c'est très important, mais le plus dur est à venir. Donc, ce qu'on doit faire, on doit se redynamiser. On doit être plus fort. Ce qu'on doit faire, c'est qu'on va prendre peut-être 1, 2 jours pour se restaurer. 3 jours, c'est très important, et revenir dans le combat. Mais lorsque certains activistes, après un combat, ils croient que la bataille est terminée, la lutte est terminée, et qu'ils se mettent en mode vision, commencer à mal parler d'autres combattants, en mode vision avec vous, peuple, la révolution. Est-ce que vous ne voyez pas que ça, c'est détruire le dynamisme que nous sommes en train de créer? Il fut un temps qu'il y a beaucoup de combattants qui se sont mis à l'extérieur, toujours à cause de ces affaires qu'on fait en mode vision. Nous avons eu l'obligation morale de penser, repenser et de savoir comment les ramener dans le combat. Et vous avez vu que sur le terrain, ils ont prouvé qu'ils sont là pour une bataille nationale. Super, détectez-moi rapidement celui qui envoie les têtes de mort là. Couleur à quoi? Avant de te répondre, je te réponds d'abord avant de te bloquer. Il faut donc savoir que si nous sommes là pour un combat national, et si on doit avancer ce combat, on doit savoir comment en face ça se passe. Donc, je te demande beaucoup d'importance à te répondant. Le plus important, ce serait que je te bloque rapidement. Et sûrement, ça doit être toi-même qui envoies les têtes de mort. Voilà. Donc, il est certain, évident que à chaque fois que la famille combattante a un souci personnel et qu'on vient citer le nom des combattants en mode vision, ceux qui se réjouissent de ces attitudes-là devraient avoir honte de ce combat dont ils sont en train de porter. Ne portez pas le combat au nom du colonel Sow. Je ne suis pas celui qui va régler ces situations, mais je suis celui qui a choisi de lutter et de combattre pour que la voix du peuple puisse être mise en application. C'est aussi clair que ça. Donc, étant ici, dans notre canal de communication, lorsqu'on vient pour recadrer, parce que lorsque moi j'ai fait des erreurs ici, vous m'avez appelé par plusieurs reprises pour que je puisse me remettre sur pied. Et lorsque j'ai compris que moi j'étais dans l'égarement, l'égarement c'est qu'à un moment donné, on est tellement focus dans les informations, des distractions, que finalement on perd le sens du combat.
Donc, ici, chers internautes, vous avez ce devoir moral de mettre aussi vos valeurs en application. Nous sommes un contre-pouvoir. Vous êtes content lorsque nous sommes en bataille et que tout se passe bien. Soyez aussi indigné lorsque, après les batailles, au lieu qu'on vienne redynamiser les troupes, on se met à fumer, comme le dit le fils de pute, on se met à fumer les autres combattants. Donc, c'est une indignation totale. Et je vais vous rappeler encore que c'est une haute trahison contre la nation. Haute trahison contre la nation dans la mesure où, envoyez-moi les cœurs là, s'il vous plaît, et détectez-moi cet enfoiré qui envoie les têtes de mort. Voilà. Haute trahison contre la nation, je vais prendre un exemple par rapport à ce que je suis en train de dire. Lorsque vous voyez un élément, vous voyez un être humain, vous voyez un politicien comme Cabral, comme Matomba, comme Yoshua, quand vous voyez ces gens-là qui sont venus faire à un peuple, une jeunesse les a fait confiance. Une jeunesse les a fait confiance parce que la jeunesse croyait qu'ils étaient venus pour un combat national, même si ce n'est pas via politique. Détectez-moi celui qui envoie les têtes de mort, s'il vous plaît. Voilà. Donc, lorsque ces politiciens sont venus faire en sorte que les enfants des autres les font confiance, et qu'à la fin, où ils doivent mettre vraiment leurs idées, ou bien les programmes en application, ces gens-là se permettent de penser à leur personne, à rentrer dans leur système égocentriste. Ce n'est pas différent d'un combattant qui va faire en sorte que le monde entier lui fait confiance et qui vienne à mode vision commencer à clasher les autres combattants sans raison. Et même s'il y avait une raison, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment de pouvoir entrer dans ce genre de situation. Ce n'est pas le moment de rendre des comptes. Nous avons fait ces erreurs au début et nous avons vu les conséquences. Et j'espère que ceux qui font cela, si c'est d'une manière consciente ou inconsciente, qu'ils sachent qu'on ne fait pas monter le combat, c'est rabaisser le combat. Pourquoi voulez-vous tuer le dynamisme d'un combattant? Pourquoi voulez-vous tuer la révolution au cœur d'un être humain qui a choisi de porter le combat de sa nation? Bonjour Luther, bonjour à tous, bonjour à tous ceux qui sont là. Pourquoi vous, internautes, vous acceptez cela? C'est pourquoi vous-même vous ancrez dans votre propre conscience et que vous prenez vos responsabilités entre les mains. Ne croyez pas que le combat concerne ceux qui sont seulement sur le terrain. Le combat est national. Il y a ceux qui ont choisi de combattre dans le black. Mais ils sont efficaces. Ils font un travail efficace. Donc, il ne faudra pas que maintenant ceux qui sont sur le terrain, parce qu'ils ont besoin peut-être d'être en première ligne, mais pour être vus, pas en première ligne pour le combat national, ils viennent clasher les autres combattants et que nous l'acceptons facilement, les gars. C'est une haute trahison contre la nation. Je le dis encore. Si vous êtes inconscient de cela, que ceux qui font ça, ils sachent que ils donnent du doute au combat. Ils m'ont appelé les combattants de l'ombre, comme on les appelle. Ils disent que ces attitudes, lorsque ça se produit constamment, ils perdent un peu d'assurance. Pourtant, notre objectif, c'est de les booster. Booster toute la famille combattante pour qu'on soit plus ou moins dans les mêmes diapasons. Qu'on soit plus ou moins dans les mêmes diapasons. Il ne faudrait pas que ce moyen de communication soit un moyen pour venir s'exhiber ou pour venir se faire voir. Parce qu'on se dit que dans la révolution, il faut qu'on me voie. Non, ce n'est pas ça. Il faut qu'on utilise ce moyen à bon escient. Et vous qui êtes là, vous qui êtes en train de suivre, vous qui suivez tous ceux qui font vraiment ce travail via les réseaux sociaux, vous avez aussi une responsabilité énorme. Il faudra que vous preniez ces responsabilités en vrai et que vous agissez en vrai. On ne détruit pas un système pour pouvoir reproduire les mêmes erreurs. On ne détruit pas un système
pour que ce soit un système de glissement. C'est-à-dire qu'on fait glisser pour venir remplacement. Si on veut détruire ce système, c'est pour accomplir ce que nos saints ancêtres, que vous connaissez bien, Charles Tangana, Martin Posamba, Douala Mangabel, Moumié, Ouandié et autres, c'est pour accomplir ce qu'ils avaient commencé. Donc, chaque fois que vous allez permettre cela, c'est pour faire retraîner le combat. Vous avez constaté qu'en face, actuellement, ils sont dans l'agonie. En face, ils sont dans l'agonie totale. Et plus nous sommes resserrés, plus nous sommes soudés, plus nous sommes forts. Ça, c'est la vérité. Ne laissons pas de brèche à ces gens-là. Ne laissons pas les brèches à cet ennemi d'en face. Comme ils avaient décidé de ne jamais dormir, tout simplement parce qu'ils réfléchissaient comment chosifier un peuple. Rendre les humains en chose, comme je le dis toujours. Il faudrait que le Tutsi, on ne laisse plus dormir parce qu'ils sont en train de penser où ils vont s'exiler. Car l'heure de la police est arrivée. L'heure est arrivée où ce que nos ancêtres premiers, ceux qui ont commencé le combat, ils avaient commencé, ce qu'ils avaient initié doit être achevé. Donc n'utilisons pas ce moyen aujourd'hui qui nous permet d'être en harmonie, qui nous permet de communiquer, qui nous permet de se dynamiser. Ne choisissons pas que ce moyen soit un moyen de destruction. Je m'adresse toujours comme ça aux activistes. Parce qu'il y a certains activistes qui ont refusé de traverser le cap des révolutionnaires. Et pour cela, chaque action qui se passe, ils ont besoin d'une reconnaissance. Et c'est ça qui est en train de les tuer. Ça les tue personnellement. À chaque action qui se passe, on dirait qu'ils réclament rapidement une reconnaissance. Comme s'ils avaient besoin d'être payés. Si tu veux être payé, laisse l'histoire faire son cours. Peut-être d'ici 100 ans, 200 ans, tu auras ta récompense. La nation te sera reconnaissante en citant au moins ton nom parce que tu as commis une action qui a permis à la nation d'être libérée. Donc, à chaque fois que vous allez vouloir chercher une reconnaissance immédiate, vous allez vous positionner comme ces politiciens dont j'ai cité tout à l'heure et votre ego va dominer sur la raison. Et franchement, ça ne booste pas les énergies. Vous avez ce devoir, cher internaute. Vous êtes des combattants. Et c'est parmi vous, il y a les combattants. Vous êtes des vrais combattants. S'il te plaît, ne permettons plus à nos combattants, surtout à ce moment où ils sont en agonie, à ce moment où ils ne savent plus quoi faire, à ce moment où ils sont déstabilisés, de pouvoir se remettre en confiance. Je vais vous donner un passage où vous allez comprendre, à cause de ce que je suis en train de dire, ils se sont mis en confiance. Vous savez, lorsque le combat a débuté ici en Europe, ils avaient peur de constituer un gouvernement. Ils voyaient la pression que la base mettait au niveau de la diaspora. Ils ont parlé, ils craignaient, ils avaient peur. Lorsque nous sommes ancrés dans ce jeu, où en mode vision, on vient parler de X, Y, parce qu'on cherchait la sympathie, parce qu'ils cherchaient la sympathie des internautes, disons du peuple. Ils sont venus parler pour qu'on ait pitié, comme s'ils étaient persécutés en diaspora. Et lorsque le système machiavélique a vu qu'on se divisait, ils ont eu le temps de former ce gouvernement qu'ils ont formé. Mais à l'époque, ils avaient peur. Donc, ce que nous sommes en train de dire, les gars, c'est pour qu'on ne les laisse plus jamais un instant pour qu'ils soient en confiance. Que ce système en agonie ne soit plus jamais en confiance. Et pour cela, ça dépend de nous qui sommes là aujourd'hui. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Et si vous pouvez rapidement me détester cet enfoiré qui envoie les têtes de mort. Voilà. On espère que ce n'est pas cet enfoiré qui passe son temps à nous citer sur ses posts, sur sa maudite page. Et pourtant, bon, on n'a pas son temps. Si c'est toi, sache qu'on n'a pas toujours ton temps. Ton moment viendra. Ton moment viendra, on va régler tes comptes. Ton nom, je ne le cite pas parce que c'était donné beaucoup d'importance. Mais à chaque fois que tu te lèves, il y a les combattants que quand tu dors, tu rêves d'eux. Tu te lèves le matin, premier poste. Trismégiste, prophète Trismégiste, Salomé Tchatchet, Betty le Kamit, Calibri Calibro, Marc Seigneur Ivoire. Chaque fois qu'il se réveille, c'est que tu dors, tu es hanté par nous. Tu as fait ton choix, mon cher ami. Tu as fait ton choix.
Et le peuple a respecté ton choix, donc on n'a pas ton temps. Voilà, mais le moment viendra. Nous avons un objectif. Nous avons un objectif bien certain. On ne veut pas virer ni à gauche ni à droite. Le temps de la récréation est terminé. Donc, chers combattants, comme on disait tout à l'heure, il fut un temps, à cause de ces affaires à mode vision, où X combattant vient parler de A, B vient parler de C, Z parle de Y. Ils sont mis en confiance, ils ont constitué un gouvernement, et pourtant ils avaient peur à un moment donné. Donc, ceci dit, le message que j'envoie aux internautes, c'est pour que s'ils ont choisi d'être les témoins oculaires de cette révolution, ils doivent être en même temps les juges de cette révolution. C'est-à-dire quoi? Si le colonel Sow, si votre ange gardien, vous, Amazon, j'ai fait une erreur, et que j'ai fait une erreur, et que vous me donnez les remonstrances, et que je joue les têtes dures parce que mon ego domine sur ma raison, vous avez ce droit inaliénable que si je suis en direct, vous envoyez les têtes de mort. Que tout le monde envoie les têtes de mort. Oui, c'est ça. Le temps de la récréation est terminé. Donc, on profite aussi pour parler aussi à ces chers combattants. Vous avez choisi une cause peut-être plus importante que vous croyez. Vous n'étiez pas peut-être préparé à cela, mais les injustices subies par le peuple ont fait en sorte que vous embrasiez un combat et qu'aujourd'hui même, vous êtes en tête de ligne. C'est parce que vous avez été sensible à tout ce que ce système fait, non seulement au niveau du hold-up électoral, mais aussi ça nous a permis de prendre conscience que nous étions dans un pays en génocide, que nous avons une partie du pays qui est génocidée depuis un bon bout de temps. Vous avez été indigné et vous êtes ancré dans le combat avec force, détermination et puissance. Mais peut-être le mot que vous avez oublié, c'était l'endurance. C'était peut-être l'endurance. L'endurance. Donc sachez-en que l'endurance aussi doit faire partie de vos principes à partir de ce jour. L'endurance est ce qui va nous permettre de pouvoir canaliser nos énergies et de comprendre que la bataille vient de commencer et que la lutte est longue. L'endurance va faire en sorte que nous puissions détruire à nous cet esprit d'égocentrisme et de savoir que c'est ensemble que nous parviendrons. C'est ensemble que nous allons gagner. Rien ne sert à ce qu'on met notre ego en avant et qu'on pense que le combat qu'on fait, c'est le combat du jeu ou que le combat qu'on fait, c'est moi qui le porte. Mais que c'est un combat d'ensemble. C'est un combat national. Envoie les cœurs, les gars. Vous voyez cet enfoiré avec ses têtes de mort. Je crois que nous n'avons plus besoin de parler. Lorsque vous voyez les têtes de mort, vous savez ce qu'on va faire. On a toujours dit qu'il est bien vrai sur cette page. On parle des choses très profondes et importantes, du moyen que parfois vous oubliez vos claviers. Mais il est important aussi que pendant que vous êtes là, vous vous souvenez que nous ne sommes pas ici dans une homélie pontificale, mais que nous sommes ici pour recadrer les choses. Nous sommes là pour pouvoir voir comment restructurer notre combat. Nous sommes là pour voir comment on peut porter ce que cette coalition gagnante nous a fait embraser. Nous sommes là pour soutenir cette coalition gagnante qui a permis que nous puissions savoir que notre constitution n'était que des papiers qu'on pouvait brûler à chaque instant, que notre constitution n'était qu'une convention humaine destinée à une partie nationale. On va le dire parce que l'État est une partie de la nation. Donc, je m'adresse comme ça à mes frères combattants, ceux qui sont sur le terrain. Il ne sert à rien, chers combattants, que pendant que nous sommes sur le terrain, on croit qu'on va faire des efforts pour qu'on puisse plutôt détruire les autres. Ils ont embrasé le combat en tant qu'enfants de la nation, en tant que citoyens d'une nation en déprime. Ils ont vu un peuple en otage, comme je le dis toujours, et ils ont eu un souci particulier. Et ils ont dit que non, dans ma position où je suis en diaspora, je veux fournir tous les efforts nécessaires pour pouvoir faire quelque chose pour mon peuple, faire quelque chose pour ma nation. Ils ne sont pas ancrés dans le combat parce que ils ancrés dans le love story, ou bien, comment on appelle ça, Koh-Lanta. Ils ne venaient pas pour se faire voir, les gars. Ils sont ancrés parce que ils ont réfléchi à ce système dont eux pensaient déjà il y a longtemps, dont ils avaient déjà oublié parce qu'ils se disaient que ce système, jamais, jamais on ne pourrait détruire. Donc, mieux, je fais ma vie, moi, où je suis, je fais mes enfants, je tue mes enfants. Ils avaient pris position.
Mais grâce à la coalition gagnante portée par le président Maurice Kamto, ils ont compris que eux, en tant qu'enfants de la nation, ils pouvaient aussi lutter contre les injustices lorsqu'ils ont vu la constitution de leur pays être dénigrée par un clan national. Donc, chers combattants, si nous sommes, oui, c'est vrai, Tchang, Marcel, la lutte peut finir aujourd'hui comme demain. Mais nous, en tant qu'enfants de la révolution, on doit se mettre en tête l'endurance. Ça, ce sera notre première devise. Donc, la lutte peut encore faire 2000 ans. Donc, par conséquent, on se met en disposition. Ce n'est pas dit qu'on va attendre 2000 ans. On va faire tous les efforts pour que chaque jour qui passe soit le jour de la fin de la lutte. Chaque jour qui passe, chaque instant qui passe même d'ailleurs, doit être considéré comme la fin de la lutte. Mais qu'on sache que le combat est long et qu'on doit être dans l'endurance. Donc, comme je parlais à nos frères combattants, il faut que on enlève la casquette d'activiste et qu'on recouvre la casquette de révolutionnaire. J'ai toujours dit, il y a longtemps, l'activiste est celui qui entre dans le combat pensant à une position. Ce qui fait qu'il se donne à fond, oui, certes, mais en attendant une récompense particulière. Et par conséquent, il risque de trahir le combat. Parce qu'il n'a pas mis l'endurance comme sa première devise. Si tu as besoin d'une reconnaissance, mets aussi l'endurance en avant. Le peuple choisira demain ce qu'il fera de toi. Ta nation choisira. Qu'est-ce qu'on dirait donc de notre doyen qui est mort la dernière fois? Si elle était aussi dans cette situation particulière où elle attendait une récompense et qu'elle est morte sur le champ de bataille, imaginez-vous le remords qu'elle aurait en agonisant. Elle va refuser la mort lorsque la mort l'appelle. Parce qu'elle va dire que non, j'attends ma récompense. Elle se met dans un conflit entre le visible et l'invisible. Donc, frères combattants du terrain, arrêtez de créer des groupes sectaires pour pouvoir isoler ou bien détruire d'autres combattants. Que vous faites des lives, vous parlez d'un combattant, d'autres viennent témoigner. Il faut que ça s'arrête de tous les côtés et dans toutes les diasporas. Vous voulez parler du bien d'un combattant? L'incident diplomatique qu'il y a eu dernièrement à Genève, tout ce que vous avez vu sur la toile, ce qui a incité ces Suisses à prendre position. Ce qui fait en sorte que les Suisses viennent arrêter ces six personnes appartenant à ce système machiavélique pour les juger et les emprisonner. C'est grâce à Kahwa la Panthère. Parlez bien des gens lorsqu'il faut les parler. Il a quitté les États-Unis avant d'aller chez lui à la maison. Il a vu que nous étions en direct avec les Amazones pour descendre au front. Il est arrivé à Paris. Il a pris son train directement, venu. Et avant d'arriver à Paris, il avait préparé ce journaliste-là. Lorsque nous étions en réunion stratégique, il nous a dit, un journaliste est là, il est déjà sur le terrain. Dès qu'il arrive, il va nous appeler. Le journaliste est arrivé sur place, il nous a appelé. Parler du bien de cette personne, ça booste l'énergie. Et ça fait comprendre que nous avons des stratégies. Nous avons les gens, des maîtres penseurs dans cette révolution. Qu'elle est venue parler des gens qui n'ont rien fait. Parce qu'ils ont rejoint le combat, ils ont combattu avec toutes les énergies. Et ça commence à vous faire peur. Vous mettez en mode vision. Commencez à parler mal d'eux. Vous, internautes, faites votre travail. Faites même les posts, vous les envoyez pour leur dire que non, c'est pas comme ça. Tu risques de marcher par la tête. Voilà. Donc, le temps même qu'on les parle avant de pouvoir les bloquer, ça leur donne beaucoup de force. Donc, nous avons décidé que ici, sur cette page, nous avons pour une mission de rebooster les énergies et surtout de recadrer les situations. Et vous avez aussi ce devoir moral, chers combattants, de faire ce que je suis en train de vous dire. Écrivez-les inbox. Dites-les que ce qu'ils ont fait n'est pas bien. Ils vont lire une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, 100 personnes. Nous sommes des millions dans le contre-pouvoir. Lorsqu'ils vont voir les mêmes messages, je dis bien en inbox. Vous l'écrivez en inbox, vous écrivez à ces gens-là qui se comportent ainsi en inbox. Mais soyez nombreux, c'est comme une pétition. Écrivez-les. Lorsqu'ils lisent tous les messages, ils comprennent que ben, dis donc, il y a quelque chose qui cloche. Ils vont se recadrer. Je n'ai pas eu besoin de deux personnes qui devaient m'appeler.
La mère Jacqueline m'a appelé une seule fois des États-Unis. Elle m'a dit que mon fils, vraiment, ne fais plus jamais ce que tu as fait. Enlève ce poste-là et puis remets-toi le combat. Depuis ces jours, j'ai pris conscience qu'attention, je suis en train d'offenser les gens. Et j'ai décidé ce jour-là que, bon, à partir de maintenant, je me mets dans une autre position. Nous sommes là pour parler du combat, rester focus dans le combat. Et si nous avons pensé à ces innocents qui meurent tous les jours au nord, ouest, sud-ouest, pendant que notre esprit égocentrique prend le devant et qu'on combat, comme si après le combat, on devait tuer le président élu et puis prendre sa position. C'est une erreur fondamentale. C'est le peuple qui vous regarde. Vous n'avez pas besoin de combattre, même que ce soit le président élu ou bien que ce soit au courant. On fait notre combat. On ne sait pas à quelle heure on doit trépasser. Voilà. Allez-y encore créer les faux profils, vous venez. J'ai plus le temps de vous répondre. Voilà. Ah oui, Chang, merci. Vous êtes extraordinaire aux États-Unis. Bon, en fait, c'était un exemple vécu. C'est pourquoi j'ai pris l'exemple de ce combattant. Parce que c'est grâce à ces journalistes qu'on a arrêtés, qu'ils ont froissé, croyant qu'ils étaient au Cameroun, croyant qu'ils étaient dans le Nozo. C'est grâce à ces journalistes-là qu'il y a eu tous ces incidents diplomatiques. C'est grâce à cela que les Suisses ont compris que, mais, il y avait quelque chose qui se passe. Et ils ont pris position. Donc, si on veut parler d'un combattant, que de venir parler du mal d'un combattant, comme si on passait nos journées ensemble, comme si on était des copains. Il y a des combattants qui ne sont pas des amis. Ce qui nous unit, c'est le combat. Mais au fur et à mesure qu'on combat, on devient une famille combattante. Et ce n'est pas une raison pour laquelle je vais me permettre de venir ici parler de X ou Y. C'est un souci personnel que ça se jette dans les coulisses. Puisque ce que moi je sais, c'est qu'ils ne se connaissent pas. Mais puisqu'ils se voient dans le combat et puis bon, ils se voient dans les directs, peut-être on ne sait pas quelle est leur crainte. Mais dis donc, je ne crois pas que nous sommes ici pour un combat de place. Que ce qu'on appelle toujours positionnement. Bonjour Philippe. Donc c'est à vous, cher internaute. C'est à vous. Tu te croyais comme t'as cité tous les combattants, sauf Colonel So. Voilà, bon, So, Wanto, tout ça. Donc, c'est ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure. Et pourtant, nous n'avons pas besoin de cela. Nous n'avons pas besoin de cette reconnaissance-là en tant que révolutionnaire. C'est pourquoi, lorsque je leur transmets ces messages-là, à chaque fois qu'ils vont faire ainsi, ils sont en train de créer des sectes dans le combat. Bon, vous imaginez alors. Les combattants qui font un travail formidable à l'ombre et qui assistent aux réunions et qui sont parmi eux. Et que quand ils se permettent de citer, ben mieux vaut ne pas citer que citer. C'est le plus important. Donc lorsqu'un combattant se met, moi je n'étais pas au courant de ça, c'est en parlant que tu es en train de me faire comprendre. Donc lorsque un combattant se permet, parce qu'il faudrait que vous, peuple, vous soyez témoin de cela, ben depuis que cette révolution a commencé, vous nous voyez tous dans le combat, avec tout le monde, dans le dynamisme. Mais lorsqu'ils veulent créer des réseaux, ils ont choisi qui ils vont mettre dans les réseaux. Et si il y a certains qui sont venus dans le combat en espérant que il faudra qu'ils entrent dans les réseaux et qu'ils se sentent isolés, on peut tuer en lui l'esprit révolutionnaire. Ça, c'est vrai. Donc, lorsque vous confirmez vous-même, peuple, que bon, certains se permettent toujours de venir citer, ils ont là des listes de ceux qui citent. Et qu'ils ne citent personne, mieux vaut ne pas citer, nous ne sommes pas à l'heure de la récompense. Attendez que l'histoire fera son chemin, l'histoire sera reconnaissante. Parce que même si vous voulez trafiquer, quoi que ce soit, vous ne pouvez pas trafiquer le temps. Parce que lorsqu'on parle du temps, on parle des faits réels, historiques qui sont démontrables. Il y aura toujours des témoins oculaires à cela. Donc, justement, pendant que nous sommes en train de parler, voilà un exemple qu'un combattant a été décrit. Donc, ils arrêtent de créer des sectes révolutionnaires. Parce que nous avons une famille révolutionnaire. Et j'avise le peuple pour que le peuple soit déjà témoin de sa révolution, comme je le dis toujours. Que celui qui va venir citer X, Y, qui les cite pour de vrai, et par rapport à une action importante que peut-être le peuple n'est pas au courant. Voilà. Pour que ça reste cela. Mais pas pour qu'on vienne citer comme si on donnait des éloges. Et si certains combattants dans certaines diasporas, ils sont pris comme ceux qui orientent le peuple
a dit ceux qui vont féliciter ou pas, qui savent qu'ils sont aussi en train d'écrire leur page d'histoire. Parce que l'histoire les interrogera eux-mêmes. Ils auront à répondre. Répondre parce que le travail qu'on effectue ne se fait pas dans le noir. Ce n'est pas comme à l'époque du maquis où il n'y avait pas de moyens de communication, comme ce que nous sommes en train de communiquer actuellement. Aujourd'hui, en mode vision, lorsque nous sommes sur le terrain, tous les acteurs de la révolution voient. Mais nous, on remet toujours tout honneur au peuple pour que le peuple embrasse sa révolution. Que ceux qui veulent ancrer le combat, même aujourd'hui sur le terrain, qu'ils écrivent en inbox, ils viennent avec leur expérience. Ce sera les bienvenus. On a besoin des énergies nouvelles, même sur le terrain. Sachez que c'est un combat national. C'est ton combat. C'est mon combat. C'est le combat de tous les Camerounais conscients. J'ai bien dit conscients. Donc, dans la famille révolutionnaire, dans la base révolutionnaire, il n'y a pas ceux qui veulent orienter qui est qui. Parce que vous avez créé, je dis encore, les sectes révolutionnaires. Vous arrêtez avec tout cela. C'est de l'ego. Vous ne favorisez pas la coalition gagnante avec cela. Vous constituez aussi en coalition, mais contre le contre-pouvoir qui réunit tout le peuple dans son combat. C'est ça qui est la vérité. Vous vous réjouissez parce que vous voulez qu'on appelle vos noms. La récompense. Attendez-le dans 2000 ans. Vous voyez à quel moment on a restauré la mémoire de Moumier, d'Enes Ouandié. Vous voyez à quel moment on les a toujours appelés des maquisards. Vous savez bien. En grandissant, on nous a fait comprendre que c'était des maquisards. Parce qu'on ne nous a pas enseigné l'histoire réelle de notre nation. Lorsqu'il nous parle de l'histoire, il nous parle du Mont Cameroun. Hein, parce que le Mont Cameroun est là, c'est vrai. Ils ne peuvent pas mentir. Hein? Ils nous parlent de la Sanaga, ce qu'ils ont appelé géographie, ou bien c'est quoi en général. Hein? Ils nous parlent de ce qui est là. Ils nous parlent de ce qui est là. Parce que la démonstration, ils ne peuvent pas cacher. Mais ils ont appelé nos zéros, les maquisards. Regardez en quelle année la jeunesse consciente se souvient, ou bien la jeunesse prend conscience que c'était nos libérateurs. Donc ceux-là qui citent les noms parce qu'ils veulent orienter l'esprit, je dis bien, ils veulent orienter l'esprit des internautes à une dimension. Un cher internaute, écrivez-le à inbox et dites-le qu'ils arrêtent ces conneries-là. Ça ne favorise pas la synergie dans le combat. Parce que lorsqu'ils viennent s'asseoir et qu'ils font le direct et qu'ils savent que vous, vous leur faites confiance parce que ce sont les anciens combattants par exemple, et que dans leur imagination, ils viennent non seulement pour refroidir le combat, mais aussi pour orienter, on va dire dogmatiser, c'est un combattant. Ouais, fils du planteur, salut. Donc, il faudra qu'ils arrêtent cela. Nous avons pris une décision. Et avant de prendre cette décision, on n'a pas pensé à nous. On a pensé à toute la nation et à tout le peuple. C'est pourquoi à un moment donné, on a compris qu'on était en erreur et que toutes les entités combattantes, toutes les familles combattantes, non, pas famille, non pas. Donc, on a décidé ensemble, en pensant vraiment à la nation, qu'on forme une famille combattante. Ceux qui vont venir diviser ne sont pas différents. Je veux parler du parti même au pouvoir. Où actuellement il y a les pro-Paul Biya et il y a les pro-Chantal. Et pourtant ils sont une même entité machiavélique. Donc ceux qui prennent, parce qu'ils ne savent pas que nous avons aussi une conscience qui réfléchit. Ils ne savent pas qu'on vit. Parce que quand je dis qu'il y a ceux qui vivent, dorment, se réveillent, mangent, révolution. Mais dans le sens de détruire Machiavel et son système. Donc quand ceux-là font ça, ils ne sont pas différents du RDPC. Où il y a déjà un clan, qui ont dit que le clan Biya et le clan Chantal, ils ne se rendent pas compte. Parce que tellement ils sont absorbés par l'égocentrisme.
qui se disent que peut-être c'est eux qui vont former le gouvernement de demain. Oui, attendez, je vais voir si quelqu'un veut prendre la parole là. Cela. Et témoigner, soyez les témoins de cela, les gars. Témoignez. Je dis bien qu'ils ne sont pas différents. On dit que le RDP, c'est ceux qui ont détruit le Cameroun, qui continuent à détruire et qui sont prêts à brûler vif même le pays, qui les quitter dans leur position. Mais dans leur système, il y a des divisions. Donc, lorsque un combattant à qui on donne le respect tous les jours, qui se met en mode vision, commençait à orienter, c'est comme s'il était en train de dire au peuple que bon, prenez la plume. Voilà c'est comment j'ai défini la révolution et ses acteurs. Mais vous ne comprenez pas qu'il n'est pas différent d'un Sadina vraiment givré. Vous ne comprenez pas qu'il pense quand il dort que sa pensée est la plus grande pensée nationale. Vous ne comprenez pas que ces gens-là, ils s'appellent en inbox pour penser comment détruire la révolution. En voulant, en appelant pour faire le commérage et le Congo, ça c'est les autres combattants. Envoie les cœurs, les gars, envoie les cœurs, ça commence à vociférer là. Non, je viens, je m'assois. Je dis que bon, maintenant je vais rendre hommage à tous les combattants de la révolution. Je commence à citer par rapport à mes relations que j'ai avec les autres combattants et non par rapport au combat national. Vous ne voyez pas que c'est une entité sectaire qui se crée comme ça? Écrivez les inbox et dites-leur que ce combat concerne tout un peuple et que lorsqu'ils font ainsi, est-ce qu'ils pensent d'abord à vous, internautes? On vous considère comme quoi? Comme les spectateurs ou téléspectateurs? Nous avons décidé que sur cette page, c'est pour que nous on soit ensemble en harmonie et que celui qui veut la parole, il parle. Mais dans le sens de poster les énergies et de recadrer le combat. C'est comme faire un recadrage. Qu'ils arrêtent cela. Même le président élu ne s'est pas mis là-bas, il a écrit une liste de combattants qui allait les féliciter. Vous avez pensé. Encore, ce que vous pouvez faire, c'est qu'au lieu de venir citer le nom de ceux-là que vous voulez citer sans citer les autres, chaque jour vous écrivez le nom des prisonniers et vous citez dans vos lives. Vous écrivez le nom des prisonniers, ceux qui sont levés pour la libération et que vous les arrêtez injustement. Vous citez si vous avez cité les noms. Si vous avez choisi d'appliquer l'art de citer, vous détruisez le combat, les gars. Vous comprenez bien? Et sachez qu'en face des gens comme moi, ça ne passera pas. On n'a pas besoin d'entités, mais nous sommes une famille. Et si on crée des entités, ce n'est pas des entités sectaires. Arrêtez avec l'égocentrisme, les gars, dans le combat. Ouais, Cyril, je te prends là. Bon, qu'on parle dans le sens que, voilà, on recadre, mais pas en baissant, pas pour rabaisser l'énergie des combattants ou du combat. On recadre pour qu'ils comprennent plutôt qu'on doit salut, se bosser. Je dirais, salut, colonel. Salut, salut, Cyril, bonjour. Comment tu vas? Comme tu me vois ce matin, là, c'est qu'on parle dans le sens que... Oui, mon but d'intervenir dans ton direct, c'était surtout dans le sens du recadrage. Parce qu'il ne faut pas aussi oublier, il y a des gens qui ont passé le temps à envoyer les têtes de mort. Et maintenant, comme ils ont vu que ça n'a pas abouti, ils essaient peut-être de s'infiltrer. Ils écrivent, voilà, pour essayer que vous vous cogniez des têtes. Alors qu'on sache tous que vous, le combat que vous meniez, et nous tous, on se bat pour ça. Mais donc, s'il y a des invitations de ce genre, même si tu veux citer, ça peut t'arriver peut-être que tu ne vas pas citer, ça peut t'échapper quelques noms de leaders. Ça ne veut pas dire que tu les as oubliés. Tu sais très bien, même bon, je comprends. Moi-même, j'ai écrit aussi même en inbox à Kemta que ça fait une erreur. C'était mieux de ne pas citer tout le monde ou certainement certaines personnes. Soit tu cites tout le monde ou tu laisses certaines personnes. Mais ça ne veut pas forcément dire que ça veut dire qu'il a des problèmes avec toi ou quoi que ce soit. Non, il faut toujours savoir... Attends, une parenthèse. Une parenthèse, frère. Franchement, je n'étais pas au courant de ça parce que je ne l'ai pas suivi. Je n'étais pas au courant de ça parce que je ne l'ai pas suivi. C'est tout à l'heure qu'en parlant,
puisqu'on parlait dans le sens. Ce n'est pas dans le sens qu'un combattant a écrit cela. Donc, ce matin, quand je me réveille, c'est par rapport à ce que le peuple, ils me disent. Et la manière qu'ils sont en train de voir, hein, le comportement que nous sommes en train de faire actuellement. Donc, ça m'a donné l'obligation morale de venir pour recadrer. C'est pendant qu'on parle que je vois qu'un combattant écrit et ça renforce ce que le peuple me dit. Je te le dis sincèrement. Vas-y. Vas-y. Ouais. Je vais prendre de l'eau, vas-y. Oui, mais ça, c'est clair, ça, c'est clair. Ça, c'est des erreurs. Tu sais que les gens ont multiplié comme ils voulaient des divisions. Ils n'ont pas pu. On l'a vu même à Genève cette fois-ci. Le combat qui était vraiment l'union qui s'est créée entre tous les Camerounais. Franchement, je ne pense plus que quelqu'un peut réussir encore. Je ne pense plus que quelqu'un peut réussir encore la division. Même si on ne peut plus se faire cogner les têtes. Ça peut arriver de temps en temps. C'est un travail permanent. Ce n'est pas aujourd'hui, c'est pas demain. Le recadrage sera régulier. De façon pour qu'on n'aboutisse plus au pire qui a failli s'installer. Donc, à tout moment, on fera toujours des petits recadrages. Bon, d'accord, l'erreur est humaine, ça peut arriver. Des recadrages seront toujours régulièrement faits. Bon, on suit le combat. On essaiera toujours, chaque fois, de faire... Tu vois, il y a des gens aussi aigris, même des choses qu'on peut faire inbox. Je comprends la chose que c'est un peu gênant que certains combattants... Je t'ai vu depuis peut-être une semaine, tu te bats en Suisse, n'importe comment. Tout le Cameroun te voit. C'est pas peut-être parce qu'on ne t'écrit pas que tu penses qu'on te voit. On voit tout le travail que tu as bas. Oui, non, combattant. Aujourd'hui, parle. Excuse-moi. Ouais. Tu sais que moi, personnellement, je n'ai pas un souci parce que j'ai fait mon combat médiatique et sur le terrain. Et pour cela, je dis bien. Hein? J'étais en politique. J'ai laissé avec la casquette politique pour la révolution. Ce que je sais, c'est que ce sont mes cinq ancêtres qui me guident dans cette révolution. Donc, pour moi, personnellement, je n'ai pas un souci. Mais il y en a ceux qui ont l'esprit maniable. Ça peut les frustrer, comme un commentaire dit là tout à l'heure. Tu comprends? Donc, pour un recadrage général, pour qu'on ne puisse plus entrer dans cette erreur, et que la famille combattante soit en synergie, il faut qu'ils arrêtent ces erreurs, surtout lorsqu'ils sont pris comme les leaders. Je dis leaders par rapport déjà au temps qu'ils ont mené dans ce combat. Hein? Par rapport au fait que les gens les ont mis leur confiance, ben, il est très facile. Je parle un peu comme M. Matomba, à qui j'ai fait confiance. En leur faisant confiance, ils savaient que c'était pour venir lutter pour une cause nationale. Mais quand j'ai compris à la fin que c'était pour une cause égocentriste, mon rôle c'est quoi maintenant? Mon rôle en tant qu'enfant de la nation, soucieux des enjeux de la politique de la nation, mon rôle est de le mettre à terre pour que plus jamais il ne puisse avoir une seconde chance de trahir cette nation. Donc vas-y mon frère, donc c'est un peu ça. Ouais, non, ça c'est tout à fait bien ce que tu dis et ce que tu fais. Franchement, c'est appréciable et c'est à apprécier. Donc, en fait, je pense qu'il faut qu'on trouve, à partir de ce que moi j'ai vu à Genève, je pense que l'union, ça franchement, si c'est pour cette union-là, c'est à apprécier. Franchement, le but d'abord a été atteint. Ça, c'est le plus important. C'est le résultat qui compte. Merci. Donc, quand le résultat est atteint, on s'assoit maintenant. Même si le résultat est atteint, il y a toujours des petites erreurs qui ont été faites. Peut-être tu as observé aussi des petites erreurs qui n'ont pas marché pour que peut-être la prochaine fois, le résultat soit atteint encore plus que cela. Donc, chaque fois, ce n'est pas gênant. Chacun, même toi aussi, quelque part, à un moment... Ça t'arrivera de faire des erreurs. Bien sûr. N'importe qui. Dans le combat, c'est comme ça. On ne connaît pas tout. Bien sûr. Donc, à chaque étape, après avoir tiré un résultat positif, on s'assoit, on fomente un nouveau plan, on fomente une nouvelle stratégie d'amélioration, de recadrage. Et je pense que c'est à peu près ce que tu es en train de faire maintenant. Voilà. C'est-à-dire que cette stratégie de recadrage, les gens écoutent. Les gens écoutent. Et moi, je trouve ça totalement... très pertinent et je pense qu'on doit s'aligner à ce genre d'idées et chacun doit essayer de mettre la main dans la poche, dans son cerveau, gratter sa tête pour voir comment on peut trouver une nouvelle stratégie. Même si quelqu'un a une stratégie nouvelle, il peut même t'écrire inbox pour que tu essaies d'imprimer et lire et voir comment on peut la mettre en pratique. Moi, je pense que c'est toujours des idées. Chacun doit proposer. On n'est plus à l'heure, on est à la phase finale.
Je pense même bien, quand il est assis chez lui actuellement, c'est sûr qu'il est en train de... Mais il est en train de devenir fou. Ouais. Ce matin encore, je voyais qu'on a encadré la maison de où c'est quoi, du MS, là, du trésorier. Oui, nous avons pris tout ça. En fait, c'est la nervosité qui est en train de les prendre déjà. Parce qu'on ne comprend pas comment on a réussi à dégager, en plus, l'expulsion. Ah oui. À cause de la brigade à Dissadina. Mais ils sont dépassés et je sais que c'est le travail que vous avez fait. Je voyais comment tu te battais corps et âme, tu protégeais nos femmes, les Amazones. Ah oui. Donc, ce monsieur est criblé où il est. Je suis sûr qu'il n'a même pas dormi. Il est paralysé psychologiquement, il est troublé. Ça, c'est clair. Ça veut dire que le travail était fait pico bello, le travail était bien fait. Maintenant, une nouvelle stratégie pour améliorer de façon que même la moindre erreur qui a pu exister, que ça n'existe plus. Trouver de nouvelles stratégies. C'est ça, je pense, c'est à peu près ce que je voulais te dire. Et je te remercie beaucoup et que le travail continue. Merci, merci, combattant. Tu salues aussi tous les internautes qui sont là. D'accord, d'accord. Je suis du côté du Luxembourg. On aura l'occasion. Très bien, merci. À très bientôt. Bon, voilà. Le frère parlait tout à l'heure et quelque chose de très important. Vous savez, nous avons une base du combat. Donc, la base qui est la basse. La base qui, donc, chaque révolutionnaire et activiste s'identifie. Et que ça le booste d'énergie parce que lorsqu'il pense à la base, quand on voit la base qui est mondiale, c'est-à-dire que c'est ça que ça fait trembler le système. Et c'est très important. Donc, dès les origines du combat, comme j'aime bien le dire, nos ancêtres premiers nous ont permis d'avoir une plateforme qu'on appelait la base. Voilà. Et c'est là où tous les combattants du monde entier s'identifient. Tous les combattants. La base qui a fait en sorte que d'autres entités, même qui existaient, étaient obligées de se soumettre. Quand ils se soumettent, c'est-à-dire qu'ils vont réfléchir dans les entités et lorsqu'ils reviennent à la base révolutionnaire, ils comprennent que là, c'est déjà une affaire de la nation, ce n'est plus une affaire d'entité privée. C'est ça la différence. Bon, maintenant alors, au fur et à mesure que nous sommes dans notre endurance et qu'on évolue en crescendo et qu'on va de bataille en bataille, malgré les difficultés et autres, on parvient toujours à s'en sortir. Donc, il y a un concept maintenant. Vous savez, on a toujours parlé de la révolution pacifique. Et ensemble, nous avons défini quel est le moteur de la révolution pacifique. On a dit, c'est la pensée. Donc, notre arme première, c'est la pensée. Et cela nous revient encore à ce qu'a dit celui qu'on a mis devant dans la coalition gagnante, le professeur Maurice Kamto. Il avait déjà écrit l'urgence de la pensée. Donc, il a écrit la Bible de la révolution. Parce que si un révolutionnaire n'a pas sa Bible là, je pense qu'il va faire beaucoup d'erreurs. Commettre beaucoup d'erreurs pensant qu'on ne l'avait pas encore avisé. Pourtant, c'est écrit dans un livre. La Bible de la révolution s'appelle le livre dont le professeur a écrit l'urgence de la pensée. Parce qu'à l'intérieur, on retrouve toute la nourriture nécessaire pour pouvoir résister. Puisqu'il a préparé la résistance il y a très, très, très longtemps. Donc, c'est pourquoi lorsque le frère parle tout à l'heure, il faudra que les révolutionnaires aujourd'hui sachent qu'au fur et à mesure que le combat avance, il faudra qu'il y ait des concepts nouveaux. Même les téléphones. Il y avait les iPhone 5, après on a vu que les iPhone 6, mais c'est tout le même iPhone. Pour nous, c'est la révolution. Il y a une première étape. Voilà qu'on a parlé Genève 1 et 2. C'est-à-dire qu'on comprend qu'il y a un premier Genève, acte 1 et acte 2. De ce qui fait qu'on doit grandir. Et comme notre âme fatale, c'est la pensée. Il ne faudra pas qu'ils aient peur des concepts nouveaux que d'autres apportent dans la révolution pour reposter les énergies. Pour reposter les énergies. Pour qu'à chaque fois que le temps passe, on se ressent naître de nouveau. Naître de nouveau. Parce que c'est ça qui fait en sorte qu'on puisse perdurer dans l'endurance. Sinon, on se fatigue, les gars. Sinon, le colonel, si on n'aurait plus rien à dire, il va venir ici, il a commencé à faire le one-man show.
Et vous savez bien qu'il y a les gens qui aiment le one. Si on faisait le one-man show ici, c'est qu'il y a les 400-500 personnes. Mais on a toujours dit qu'ici, on parle efficacité. Parce que le peuple, ils m'ont contraint à ancré dans l'efficacité. Ils m'ont dit que mon cher ami, on vous regarde. Ils m'ont téléphoné. Et je remercie maman Jacqueline toujours qui est aux États-Unis qui m'a appelé la première fois. Pour me dire que monsieur, il y a les caméras braquées partout. Sur toi. Tu sais, s'il y avait la possibilité de mettre même dans ta maison. Donc c'est pour comprimer tes faits et gestes. J'ai compris qu'attention, elle parle comme ça au nom du peuple. Et après elle, il y a nos amis comme les Nana, les Bams Nana. Ils sont nombreux qui m'ont pu m'appeler ce matin. Parce que lorsqu'ils voient que nous on laisse. Parce que écoutez-moi, le peuple. Lorsqu'on voit les choses se passer et qu'on ne dénonce pas et qu'on dénonce, et la manière qu'on dénonce, c'est d'une manière constructive. On ne dénonce pas pour rabaisser le combat. D'une manière constructive pour que ceux-là faites attention, ils sachent qu'il y a ceux qui les voient et les écoutent. Que lorsqu'ils viennent lancer leur live là, ils ne croient pas qu'ils viennent parler pour eux, à eux-mêmes. Mais qu'ils savent qu'il y a des gens qui les voient. C'est pourquoi ils sont venus se faire le live. Donc, n'ayons pas peur des concepts. Tant que le concept fait en sorte qu'on puisse se rebooster d'énergie. Ne croyez pas qu'un concept qui sort égale une plateforme. Donc, ne confondez pas le concept intellectuel qu'on peut, on peut mettre sur place. Et la plateforme combattante. La plateforme combattante, c'est la famille combattante. C'est la base. Voilà. Donc, si les concepts reviennent pour qu'on rentre focalisé sur l'objectif initial, applaudissez plutôt. Si tu ne comprends pas un concept, si je ne comprends pas un concept, j'appelle celui qui a amené le concept. Si les lois, on peut parler par le téléphone. Je peux me déplacer puisque ça concerne la révolution nationale. Je me déplace même pour aller, pour qu'il m'explique le concept, pour que j'écoute. Mais c'est pas parce que c'est X ou Y qui a mis à porter un concept, on ne veut même pas réfléchir sur le concept pour comprendre et savoir. Et on se met en mode vision, on commence à clasher. Vous n'avez pas affaire aux animaux. Vous n'avez pas affaire aux animaux. Peut-être le fait qu'on dit que le système bien a chosifié les Camerounais, vous pensez que c'est tous les Camerounais qui sont ainsi. Et je vous rappelle que le travail de conscientisation que vous avez fait même sur un mode vision, vous avez fait en sorte que les Camerounais, beaucoup sortent de l'état chose à être humain et d'autres sont en train de devenir les vivants. Donc, lorsque quelqu'un se révèle le matin avec sa boule, il vient, il allume son téléphone parce qu'il aura les 10 000 vues et puis il commence à vociférer et qu'on envoie les cœurs. Non, les gars, n'acceptons pas ça en ce moment du combat. Hier, on a subi les conséquences de cela. C'était désastreux. Donc, c'est à nous. C'est à nous d'accompagner et de recadrer. C'est à nous. Si le peuple me prend comme porte-parole, je vais parler à leur nom. Voilà. Parce que si c'est qu'on voit une injustice, parce que ça, c'est de l'injustice. Si c'est lui qui voit les injustices et qu'il ne parle pas parce qu'il dit que je m'en fous, j'ai fait moi mon combat, je n'ai rien à me reprocher. Mais c'est une fatalité, les gars. C'est une fatalité. Nous sommes tous une famille. Nous sommes tous une famille, la famille combattante. On a fait le choix. Donc, attendez, moi, je... Bon, voilà. Oui, Francky, bonjour, bonjour à tous les Amazones. Votre ange gardien vous envoie le cœur, toujours particulier. D'ailleurs, avant que je me lève le matin, le cœur est parti puisque c'est toujours prêt. Le premier souffle et toujours les combattants. Je suis toujours prêt à venir pour qu'on puisse nous rebooster d'énergie à chaque instant et en tout lieu. Voilà. Bonjour, bonjour, Kimporere. Voilà, Kimporere. Donc, voilà. Donc, je vais encore redéfinir quelque chose de très important qui est aussi un concept. Et que tous les combattants doivent comprendre cela. D'abord qu'ils sachent que le fait qu'ils ont pris conscience que le pays allait mal, c'est aussi la même chose que pendant qu'ils font les choses, les gens aussi prennent conscience de ce qu'ils veulent eux-mêmes.
Voilà. Qui ne pensent pas que par rapport à une autorité que naturellement ils ont eue, ils vont commencer à marcher par la tête. On dit, si aujourd'hui je m'exprime au nom du peuple, c'est parce qu'on n'aimerait pas les voir marcher par la tête, mais qu'ils soient toujours focus dans leur combat. Voilà. Donc, il y a un concept encore très important que chacun d'entre nous prenne conscience que l'autre qui entre dans le combat, il n'est pas un extraterrestre. Il est né d'un père et d'une mère, comme nous qui sommes là. Voilà. Et que il a fait un choix. Il a fait un choix en tant que conscient des situations, des injustices, en tant que conscient de sa personne. Parce que en tant que là, aujourd'hui, et sur place, en forme, il a ce devoir moral de lutter pour la cause nationale. Quand il a pris conscience que ça ne viendrait pas d'ailleurs, il fut un temps. On se dit que oh, Paul lui a fait les choses, on va voir si la France va nous aider. Pourtant, c'était lui, le représentant de la France au Cameroun. Le premier homme d'affaires français au Cameroun, il s'appelle Paul Biya. Voilà. Mais nous avons pensé un temps que la France aimait trop le Cameroun. Pourtant, la France aimait l'État du Cameroun et non le Cameroun. La France aimait bien l'État du Cameroun. Je me souviens quand Chirac arrivait au Cameroun, quand il voit le peuple camerounais, il aimait les embrasser, les saluer. Il aimait la foule parce qu'il était content que Paul Biya a fait endormir un peuple et qu'il se servait bien. Donc, quand les combattants aujourd'hui conscients de la situation, comme on disait, ils sont nés d'un père et d'une mère. Et que bon, aujourd'hui, toi combattant, on se trouve peut-être, comme on était à Genève, comme on va se retrouver bientôt à Bruxelles. Bon, préparez-vous déjà parce que la prochaine grande bataille se passe à Bruxelles, Union Européenne. Les dates seront fixées et puis on vous tiendra informé. Voilà. Donc, bonjour Amazon Diane, Raïssa, beaucoup de bisous et de cœur. Voilà. Donc, je disais quoi? Si on se souvient toujours que vous-même qui êtes là, je suis conscient avec qui je cause. Je connais que vous êtes des êtres spéciaux parce que vous appartenez à un père et une mère, donc vous avez une famille. Si ce n'était pas le cas, nous ne sommes pas. Voilà. Donc, lorsque j'agis, donc même si je viens dans mon direct pour parler, puisque je vais parler avec vous, je ne vais pas pour parler pour que vous me voyez. Moi, c'est mon principe, je vais m'adresser à vous pour que nous soyons ensemble en train de communiquer. Voilà. Donc, lorsque je viens m'adresser à vous, j'oublie que je m'adresse aux êtres humains. Je viens peut-être parce qu'on dit que bon, voilà le colonel Saul, voilà l'engagé des Amazones, voilà le Trismégiste, et puis je me perds dans la boule, hein, en oubliant à qui je communique. Franchement, je vais perdre la tête. Parce que j'ai oublié le fait que vous êtes aussi les enfants d'un père et d'une mère. Et chacun a son degré de conscience différent. Et si j'oublie cela, si j'oublie d'entrer en face, en empathie avec les autres, et je me dis que non, je suis sur le terrain du combat, je combats, les autres sont seulement sur Internet, ça monte, ça descend. Hein? Et pourtant, c'est vous qui faites le grand travail. C'est vous qui partagez ces directs, que ça passe partout. Quand on envoie un message à Paul Biya pour qu'ils écoutent, c'est vous qui envoyez, et avec force et puissance pour qu'il écoute. Vous êtes les acteurs de cette révolution. Mais si on ne vous considère pas comme tel, si on vient vous mépriser, dénigrer, si je viens aujourd'hui, par exemple, je prends la liste de tous les combattants. Je dis bien de tous les combattants du monde. Je les cite, je les cite, je les cite, je les cite, je les cite. Je dis bien tout, même toute la journée. Et que j'oublie de vous envoyer aussi cet amour particulier, cette considération particulière. Est-ce que ce ne serait pas une forme de manipulation? Est-ce que ce ne serait pas une forme de manipulation, les gars? Ça signale, les gars. Envoie les cœurs. Envoie les cœurs. Je vais prendre notre combattant. Il est parti. Voilà. Donc, si un combattant veut prendre la parole, ici, la parole est à vous. C'est vous qui avez la parole ici. Ici, c'est pour que nous soyons en synergie. Voilà. Donc, comme le frère disait tout à l'heure, France, voilà. De toutes les façons, moi, je viens remettre la responsabilité du peuple au peuple. Au nom du peuple, parce que le peuple me choisit comme le porte-parole. Donc, le jour où ils disent que c'est toi qui vas venir parler, je dis bien le peuple. Ce n'est pas une entité qui va m'envoyer des parties faire quelque part. Je ne fais pas la guerre des entités. Je me suis déshabillé des entités. On parle de la base révolutionnaire. On va parler des concepts. Voilà, les entités, c'est pour aller réfléchir dans les chambres, les cuisines, les salons. Voilà.
C'est comme une famille qui réfléchit. C'est parce que ma famille réfléchit dans son salon qu'on va sortir d'un immeuble donné, dit que bon, nous on a réfléchi dans notre salon et l'immeuble doit fonctionner comme ça. C'est faux. Voilà. Donc chaque famille réfléchit et puis ils se mettent tous en synergie, ils se partagent les idées et maintenant on voit ce qui va correspondre au peuple selon l'état actuel de la révolution. C'est comme ça que votre tismégiste lui travaille. Voilà. Excusez-moi. Voilà. Ben, il est important aussi de recadrer tous ces trucs-là pour que lorsque certains y pètent la tête, on va dire ainsi. Hein? Repartager le direct parce qu'il faut que ça entre dans les oreilles de ces gens-là. Il faut que ça entre dans leurs oreilles. Pour que lorsqu'ils dorment maintenant, parce que moi personnellement, lorsque je pense révolution, je pense nation et peuple. Ça, c'est les deux choses qui me boostent d'énergie. Le reste est là. Moi, ça ne me regarde pas. Quand je pense nation et peuple et que je pense à la situation actuelle, ça me booste d'énergie, je n'ai pas de droit au sommeil. Parce que je sais qu'en face, ils ne dorment pas. C'est ce qui me donne la force. C'est ça qui me donne l'énergie. Que quand je viens comme ça m'asseoir pour parler au peuple, c'est pour qu'ils se reconnaissent aussi dans cette parole. Au cas contraire, qu'ils écrivent, ou bien ils appellent, ils disent. C'est comme le frère tout à l'heure lorsqu'il parlait. Il a fait une remarque importante. Il croit que peut-être j'étais frustré. Moi, je n'ai rien à voir avec ça. Mais lorsque je sais que ça va déstabiliser et qu'on a vécu ça par le passé, qu'on commence à créer des sectes combattantes, puisqu'on vient à mon de vision le dévoiler et que le peuple envoie les cœurs et applaudit, est-ce qu'on aime vraiment ce combat? Oui, 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 Tchang, on va prendre. Oh, oui, actuellement, on est en train de préparer Bruxelles. On est en train de préparer Bruxelles parce que là-bas, comme ils sont d'abord peu, ils ne sont pas nombreux. Donc, vous savez qu'entre Bruxelles et Paris, il n'y a pas une grande différence. Ne nous dites pas que le monde qu'il y a eu à Paris ne sera pas à Bruxelles, et même peut-être plus. Parce qu'il y a beaucoup de combattants qui n'ont pas pu être à Paris, peut-être parce que la distance, les vols annulés et autres. Il faudra que le nombre qu'il y a eu à Paris puisse être multiplié à Bruxelles. Comme ils sont peu là-bas, on va marcher sur la population. Comme ils sont peu là. On va pacifiquement, mais comme ils sont peu, parce qu'on va prendre tout le pays, quand on va marcher, on sera obligé de marcher sur la population. Bon, c'est en passant. Donc c'est pour que les gens soient nombreux. Voilà, c'est pour que les gars soient nombreux. Et que ce jour-là, puisque c'est l'Union Européenne, je vous dis toujours dans mes directs, lorsque nous sommes partis là-bas, lorsqu'ils nous ont reçus, ils nous ont dit que le Cameroun, je répète toujours pour que ça reste bien, pour que vous sachiez le pourquoi vous devez être là automatiquement. Bonjour Amazon Florette, bonjour. Je vous dis encore pour que vous sachiez le pourquoi vous devez être à Bruxelles. Et surtout en nombre. Lorsqu'ils nous disent que le Cameroun est un partenaire privilégié de l'Union Européenne, nous étions en train de chercher de quel Cameroun ils étaient en train de parler. On voulait savoir si c'est le Cameroun que nous on connaît ou bien c'est un autre Cameroun. Ou bien ils ont peut-être un autre pays ailleurs qu'on appelle le Cameroun. Depuis quand le Cameroun est un partenaire privilégié de l'Union Européenne? Ils ont fait pour le Cameroun. Ils ont fait pour l'État du Cameroun. Ils ont fait pour le Cameroun. C'était ça. C'est ce qui nous a intrigués ce jour-là. Et c'est pourquoi sur place, une fois là, que bon, on ne veut plus rien savoir. Sachez que bon, au Cameroun, 95% de la population n'aime pas votre Cameroun dont vous parlez. Donc, en parlant de l'État du Cameroun. Voilà. Parce que c'est ça qu'ils ont appelé Cameroun l'État. Ça nous a fait savoir que, actuellement où nous sommes là, on exige que la coalition gagnante et tous les opposants, comme vous le savez d'ailleurs, puissent être dehors et que le dialogue inclusif puisse être immédiatement, voilà, après leur sortie et qu'ils arrêtent de tuer nos enfants au nord-ouest et au sud-ouest. C'est ce qu'on leur a dit. Ils nous ont dit qu'ils vont envoyer une commission au Cameroun. Après 15 jours, ils ont envoyé. Après, ils nous ont appelé et dit que bon, ça va aux Nations Unies. C'est ce qui est en train de se passer là-bas. Bon, bref, ils nous ont fait comprendre que le Cameroun est un partenaire privilégié. Mais le Cameroun n'est pas, c'est pas notre Cameroun à nous. Ce Cameroun est ceux qui envoient les têtes de mort et ceux qui supportent ce système machiavélique et de Machiavel lui-même et toute sa troupe. C'est ça qu'ils appellent le Cameroun. Voilà. Donc, Cameroun de 5% de la population, pendant que 95% ne sont pas d'accord avec eux. Donc c'est pourquoi l'événement de Bruxelles doit être l'un des plus grands événements.
Ça doit être au-delà de ce qui s'est passé, Paris, game over. Parce que c'est ça qui fait avancer le combat. À chaque fois qu'on a fait les batailles, que la bataille soit importante et que cette bataille-là, vous savez que nous avons une chance aujourd'hui. Grâce à notre ami combattant Kamwa, lui qui a appelé ce journaliste, que ce journaliste vienne. C'est ce journaliste-là qui a créé l'incident diplomatique. Ça fait en sorte que le monde entier s'est occupé de nos affaires. On a bravé le froid, l'hiver, ici. On a bravé tous les temps. Mais on est même parti devant RFI. On est parti devant tous ces trucs-là pour crier. Ils n'ont jamais bronché. Donc c'est pourquoi, aujourd'hui, vu le fait qu'au niveau du combat, le monde entier est rivé vers ce Cameroun, il faut que toute action soit une action forte. Je ne suis pas encore au courant si les enfants sont sortis aujourd'hui au Cameroun, si le peuple est sorti. Ça devait aussi être très important qu'ils sortent, parce qu'aujourd'hui, tous les médias du monde entier, parce que les Français voulaient prendre le monopole des médias en ce qui concerne le Cameroun. C'est eux qui voulaient être la priorité dans l'information au Cameroun. C'est pourquoi tout ce qui s'est passé, ils ne disaient rien. Ils étaient prêts à corrompre tous les médias du monde entier pour être tranquilles. Mais l'incident qu'il y a eu avec ces journalistes-là a fait en sorte que ceux-là même, on dit que jamais, on ne veut plus rien savoir la France. Ils nous empêchent aussi d'être aussi bien vus au niveau médiatique. Tout le monde est là maintenant arrivé au Cameroun. Donc c'est pourquoi tout ce qu'on doit faire maintenant, sachant qu'eux-mêmes, ils vont nous inviter. Les journalistes contactent maintenant pour savoir ce qu'on va faire demain, ce qu'on va faire après-demain, qu'ils nous soutiennent, qu'ils soient avec nous de tout cœur. Et s'il y a n'importe quoi, ils sont prêts à tout faire, à se dépenser eux-mêmes. Car c'est une juste cause, c'est une cause loyale. C'est pourquoi, lorsqu'on entre dans ces recadrages-là, si ces mêmes journalistes-là sont en train de voir aujourd'hui en mode vision que X a parlé de Y, Y pas de X, il va chercher qui est X, Y, il voit que c'est la famille combattante, il voit qu'ils sont en train de se manger entre eux, ça ne monte pas le combat, ça ne les booste pas l'énergie. Ils ont été fiers, ils étaient contents parce qu'ils ont vu, pas deux fois, le mardi et le mercredi, vous êtes partis confronter la garde présidentielle d'Mbia au niveau de l'hôtel intercontinental. Malgré tout cela, vous avez organisé une marche pacifique au niveau de Genève. Et que c'est eux-mêmes les Suisses qui ont rendu ça en guérilla urbaine. C'était pas vous les gars. C'était pas la famille combattante. Donc aujourd'hui, grâce à tous ces événements-là, tous les journalistes du monde entier sont braqués. Ils ont le regard vers le Cameroun. Et c'est pourquoi on doit, puisque le temps étant quelque chose de primordial, il faut qu'à chaque instant qu'il y ait opportunité, qu'on marque un but. Qu'on ne reste pas qu'ils vont se refroidir. Après, on va organiser les choses, on va commencer à courir encore derrière eux. Ils seront passés à autre chose, les gars. Donc, il est nécessaire qu'on condense nos énergies, nos forces, pour faire avancer le combat dans le bon sens. Que le peuple soit assuré que le combat va à crescendo et que ce n'est pas parce qu'on parle et qu'on les dise aux réseaux sociaux que le combat est conquis, mais qu'ils ne le sentent pas eux-mêmes. On n'a pas besoin de dire. On n'a pas besoin. Comment on les appelle, ces givrés-là qui vont dans les réseaux sociaux pour vociférer. On veut que le peuple lui-même ressente par lui-même que le combat est en train d'être terminé et que nous sommes en train d'être victorieux. Voilà. Et pour cela, on doit avoir une pédagogie du combat. Même au niveau des informations, quand il n'y a pas d'informations, lorsqu'on vient se placer comme ça en mode vision pour parler, il faudra que certains qui ne savent pas peut-être comment ça se passe, qui partent voir, il y a des gens formés pour cela, ils les écrivent, ils les orientent un peu dans ce qu'ils vont dire. Comme ça, ils ont déjà la source de ce qu'ils vont dire, maintenant ils viennent s'exprimer avec leur feeling. Ah oui. Donc c'est ça les combattants. Donc ici notre dénonciation n'est pas pour créer les zizanies, mais c'est pour recadrer. Et aujourd'hui au nom du peuple camerounais, vous internautes, vous avez votre responsabilité. Le peuple aussi attend beaucoup de vous. Parce que c'est par rapport à vos commentaires, par rapport à vos actions, par rapport à tout.
que lorsque ils voient un direct, ça les intéresse. Ben, ils ont vu peut-être le nombre de cœurs. Voilà. Ils ont vu. Hein? Donc, même quand il y a plus de têtes de mort aussi, ils s'intéressent pour savoir ce qui s'est passé. Mais je suis seulement en train de dire, pour finir avec cela, celui qui vient encore parler du combat, en voulant parler d'un combattant, parce qu'il a choisi les combattants avec qui il veut être en harmonie. On n'a pas besoin de cela. Voilà. La nation n'a pas besoin de cela. Voilà. Que tu as choisi les combattants avec qui tu vas être en harmonie, parce que peut-être un combattant parle avec X que tu n'aimes pas, ou bien avec un Y que tu n'aimes pas. C'est une affaire égocentriste. Ça, c'est une erreur, une fatalité. Si tu aimes ou tu n'aimes pas, ne viens pas en mode vision, fais comprendre ça au monde. Voilà. Donc, je vais prendre notre combattant là. Voilà votre général Suzanne Barat. Votre général Suzanne Barat, la grande Amazone. Ça a donné, Suzanne. J'espère que ça s'est bien passé au niveau de Londres là-bas et nous espérons que tu es aussi rentré. Nous avons aussi un cœur. Bon, ça ne donne pas là. Donc, si nous voyons des choses, vous croyez en votre révolution, vous croyez à la libération de votre nation, vous croyez à un futur aussi important pour les générations futures. Parce que j'ai toujours parlé de la projection. J'ai toujours parlé de la projection lorsque nous sommes ensemble, chers combattants. Si on ne se projette pas, c'est comme en politique, comme en révolution, c'est la même chose, hein. Si nous sommes dans un combat, juste Joe, ce que tu es en train de dire là, vous partez en inbox chez la personne. Là, nous sommes 60. Pour ceux qui ne voudront plus qu'ils font les mêmes erreurs. Puisque j'ai fait comme ça pour les recadrer. Moi, je ne cite pas les noms. Parce que d'ailleurs, on m'a informé qu'au téléphone tout à l'heure. Donc, c'est un combattant de l'ombre. Voilà, ils sont nombreux d'ailleurs. Donc, vous partez en inbox, vous les recrutez en disant que, bon, voilà, l'attitude dont vous avez ne sert pas le combat. Cette attitude ne sert pas le combat. Voilà. Parce que vous, internautes qui êtes là aujourd'hui, vous savez que vous êtes nombreux. On écrit là, je vois Pierre Mouton par exemple, je vois Francky par exemple. Voilà. Donc je vois des combattants comme ça. Le fait que nous sommes constamment en train de faire des lives ensemble, on devient une famille. Mais la seule différence, c'est que bon, peut-être que je ne vous connais pas physiquement, mais lorsque je vois un nom, je connais l'internaute parce que constamment nous sommes ensemble. Mais ça fait qu'on forme déjà une famille combattante. Donc, si je dois citer les noms, hein, de tous ces combattants, et que j'oublie un, je ne sais pas comment il va se porter. À part si c'est un révolutionnaire qui n'attend pas. C'est pourquoi je voulais parler aussi de la projection. Lorsqu'on se met en politique, ou lorsque on se met dans un combat révolutionnaire, il y a ce qu'on appelle la situation immédiate, l'urgence immédiate. Quand actuellement, immédiatement, il faut qu'on détruise le système BIA et acolyte. C'est pourquoi beaucoup de nous sont en train de fournir les efforts pour cela. Mais, au-delà de cela, lorsqu'on pense à une nation et un peuple, on se projette les 100 ans à venir, les 200 ans à venir, les 300 ans, les 1000 ans. Parce que si on n'a pas cette capacité de se projeter à ce niveau, le travail qu'on va vouloir faire, c'est pour un résultat immédiat, ici, là et maintenant. On perd de l'endurance et on cherche en quelque sorte une reconnaissance. Je le répète, parce que c'est ce qui arrive. Parce qu'on ne s'est pas projeté même pour ceux qui ne sont même pas encore nés. Parce qu'on va à tout prix, on va à tout prix finir avec ce combat et jouir de ce qu'on veut. Et jouir de ce qu'on veut. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on, dès que le combat va se terminer d'ici quelques mois,
quelques semaines, disons. Dès que la coalition gagnante se remet maintenant au travail, au service de la nation, les mêmes activistes vont mettre la pression à la coalition gagnante. Pourquoi? Parce qu'ils aimeraient que les choses se passent vite avant qu'ils ne vieillissent. Ils meurent parce qu'ils veulent jouir de ce qu'ils ont pensé. Et c'est très dangereux. C'est très dangereux. Vous êtes devenus des rebelles. Ah oui, vous êtes devenus des rebelles parce que vous voulez à tout prix jouir, que vous avez rêvé un Cameroun meilleur. Vous n'avez pas laissé le temps aux champions dont vous avez fait confiance de pouvoir d'abord s'asseoir, voir d'abord tout ce qui s'est passé dans le passé, s'imprégner de tout ce qui s'est passé dans le passé, en remontant le temps jusqu'à l'instant présent et commencer une construction d'un pays, une nation, une nation émergente, une nation d'accomplissement. Et cela est vrai. Donc, il faut reconnaître ce genre de vision. Et c'est très important. Nous pouvons faire ce combat le temps que ceux qui vont prendre la tête de la nation, le temps qu'ils vont commencer le travail profond, il peut arriver que nous ne sommes même plus. Donc arrêtez. Laissez que l'histoire va faire son chemin. On ne peut pas arrêter le temps. Peut-être si le colonel Sow fait une action aujourd'hui en révolution qui bouleverse les données, il ne faudra pas que le colonel Sow arrête le temps pour que personne d'autre ne fasse autre chose, que ça reste focalisé dans ça. Non. C'est tuer encore, non seulement la révolution, mais la nation. Parce que tu t'es mis en avant, tu as fait des actions très importantes, on a vu, on apprécie. Et maintenant, on va arrêter le temps. Ça veut dire que le futur même ne va plus exister. Le passé même est mort. On reste là figé. Comme Pobia est resté figé sur le vert ou jaune. Il dit qu'il ne bouge pas. Il dit qu'il ne bouge pas jamais. Que le temps va rester comme ça. C'est ce que Pobia fait. Hein. C'est la même chose là que nos amis activistes là sont en train de faire, peut-être d'une manière inconsciente ou consciente. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'ils sachent que on leur a parlé. Qu'il laisse le temps libre. Parce qu'il fut un temps. Non. Ce n'est pas ce qu'on demande. On n'a pas besoin. On est en train de parler toujours pour que, quel qu'en soit ce que quelqu'un a fait, qu'on ait soit fait quelque chose, j'ai dit, écrivez le inbox. C'est comme une pétition. Je vous dis, ça marche. Ça marche, les gars. C'est comme une pétition. Vous écrivez inbox, lui dit que bon, excuse, cher combattant, chère combattante, voilà que bon, c'est comme ça. Avec tout le respect, ne venons pas aussi faire notre pétition avec la haine. Quand il n'y a pas de la haine, ce n'est pas le genre de haine que le système a contre nous, nation, contre nous, peuple de la nation. Parce que c'est ça qui fait qu'ils perdent le combat. Parce qu'ils ont la haine du peuple pendant que nous on combat pour la libération avec l'amour du peuple. Voilà, je prends cette parallèle-là pour faire comprendre quoi. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin de pouvoir prendre une position. Celui qui va faire des erreurs. Voilà. Celui qui va faire les erreurs. Celui qui va créer la fatalité. Si on n'a pas donné les remonstrances, il va croire que c'est une réalité. Et puisque ce sont ses amis, qu'il a pris comme amis du combat, qui vont l'appeler pour l'encourager, que tu as bien fait, il va oublier que c'est le combat de tout un peuple et non d'un groupe d'amis. Un groupe d'amis qui passe leur temps, leur journée, s'appeler au téléphone pour réfléchir sur les autres révolutionnaires au lieu de réfléchir sur le combat national. Je le dis vrai. Parce que lorsqu'ils vont se lever le matin, chacun prend son téléphone pour dire que bon, colonel Sow, tu as vu comment colonel Sow a fait l'autre jour au Congo. Ça, on appelle ça le Congo, ça. C'est la distraction, les gars, la récréation est terminée. Parce qu'un jour, je vous le dis, donc je vous avise d'abord, maintenant c'est un prophète que je parle. J'appelle maintenant, je prends ce paragraphe-ci avec la casquette du prophète. Un jour, quand ça va chauffer entre vous, c'est vous qui viendrez vous manger entre vous. Et vous allez dévoiler tout ce que vous avez fait dans le noir. Pour détruire cette révolution, pour tuer les enfants des autres. Comme si c'était les enfants des extraterrestres. Comme si il n'y avait pas aussi des familles qu'ils ont mis en otage dans leur pays.
pour pouvoir entrer dans ce combat de libération. Et je vous dis encore que le moment même encore, ça arrive le plus rapidement possible parce que lorsque moi je parle la nation, lorsque nous parlons la nation, c'est de nos ancêtres qu'on demande, nos ancêtres qu'on ressuscite pour qu'ils viennent veiller sur cette révolution. Prenez ça au sérieux, les gars. Bonjour, Yves Papa. Donc, la meilleure stratégie, puisque notre objectif n'est pas d'isoler quelqu'un ou bien de faire ceci, cela. Si quelqu'un veut s'isoler, il va s'isoler seul. Et je pense que même au niveau de la nature sera en équilibre parce qu'on n'a pas dépensé nos énergies pour pouvoir détruire quelqu'un, non. Voilà. Bon, Chloré, voilà. Ici, on n'a pas besoin du nombre. Non, en fait, c'est parce qu'un un commandant a... on ne parle pas d'un combattant en particulier. C'est qu'un commandant, un combattant a parlé de quelqu'un là et que nous sommes en train de lui faire comprendre que ici, nous ne sommes pas là pour juger, mais nous sommes là pour mettre le peuple devant ses responsabilités et que le peuple l'assume. Lyon, frère, s'il te plaît. Et que le peuple l'assume. Donc, ici, si un combattant... Voilà, quand vous commencez à écrire comme ça, ça veut dire quoi? Si nous avons un esprit maniable et que nous sommes là peut-être pour une autre cause que la cause du combat, ce sera une bonne chose parce que les uns et les autres vont se réjouir. Nous ne sommes pas là pour cela. Nous avons dit que vous pouvez faire un autre système et faire autrement. Je donne les orientations. Vous pouvez écrire au colonel Sow, par exemple, que bon, colonel Sow, tu as fait une erreur la dernière fois et que le monde entier, et nous, peuple, on a constaté. Vous partez en inbox que chacun écrit. Chacun écrive. Vous écrivez, c'est comme une pétition. Quand il va voir mon inbox bourré de cela, il faudra que je sois aussi un givré sardinard pour ne pas comprendre que c'est le peuple qui parle au nom de la nation. Voilà, c'est aussi simple que ça, les gars. Parce que dire, de faire ce que tu es en train de vouloir, c'est une suggestion que tu as donnée. Et que bon, c'est pas qu'on refoule, mais plutôt en réfléchissant. Ce que nous sommes en train de combattre depuis aujourd'hui, pendant que nous sommes en live, faire ce que tu es en train de proposer, c'est aussi. Faire ce que tu es en train de proposer, c'est aussi. Donc ça devient un glissement. Donc c'est comme si on est venu peut-être pour manipuler le peuple dans ce direct. Donc la solution est trop simple. Que ce soit n'importe quel combattant, on doit accepter nous tous ensemble que la récré est terminée. Le bois était vert. Le bois a séché. Et actuellement nous sommes en train de mettre le feu. Et la flamme qui va sortir là ne s'éteindra plus jamais. Car le peuple restera éveillé pour toujours. Mais pour cela, il y a une seule condition. Je vous dis encore, la seule condition, c'est que quand on se projette dans le temps, pensons aussi à ceux qui viendront d'ici 5000 ans. Parce que ce genre de projection, la force de ce genre de projection, lorsqu'on la vit, c'est que à chaque instant présent, lorsqu'on fait quelque chose, on le fait bien, sachant qu'un jour on ne sera pas. Et que ceux qui viendront, qui puissent s'occuper des choses de leur temps. C'est ça la différence. Voilà. Donc, je pense que nous avons passé le message qu'il fallait. S'il vous plaît, si vous êtes en communauté quelque part, si vous êtes en contact avec certains leaders, déjà... avec certains combattants qui vont à la dérive, peut-être sans savoir. Faut jamais oublier qu'il y a le conscient et l'inconscient. Voilà. Il y a le conscient et l'inconscient. Donc, il y a ceux qui font des choses aussi inconsciemment. Vous pouvez me voir peut-être penser que j'ai une grande maturité. Et pourtant, il peut arriver que je fasse des erreurs. Et si vous ne me reprochez pas, je peux penser que c'est une réalité certaine. Et pourtant, je suis en train de me perdre. Si c'était les affaires de Tontine, si c'était une affaire de Tontine,
quand ils parlent de tontine, les réunions du quartier. Vous savez que ça regarde juste que ceux qui sont dans la tontine. Même le voisin n'est même pas au courant. Là, on peut résoudre ça comme ça. Si c'était une affaire de famille, on fait les réunions familiales et puis on gère ça en famille. Le reste des personnes ne sont pas au courant. Mais quand il s'agit d'une affaire nationale, chaque acte qu'on pose, tous les actes qui sont posés ont des conséquences particulières. C'est pourquoi j'ai parlé de l'inconscient, de la conscience de l'inconscient. Il y a ceux qui font péter la chose inconsciemment parce qu'il a oublié la vision de la nation et du peuple. Et qu'il se focalise peut-être maintenant sur la famille combattante. C'est là que se joue son combat. Son combat se joue sur la famille combattante. C'est pourquoi il y a les guerres de leadership, les guerres de ceci, de cela. Ils ont oublié de se focaliser vers l'objectif. Donc réveillez ces gens-là, cher peuple. C'est vous qui avez ces capacités-là. À la Nimbox, écrivez-les. Dites-les qu'ils se réveillent. Et vous les rappelez que le combat concerne un peuple et une nation. C'est important ce que je suis en train de dire. Et c'est pourquoi j'ai voulu faire passer ce message aujourd'hui. Pour que la gangrène déjà puisse être coupée à partir de maintenant. Que la gangrène puisse être coupée à partir de maintenant. Parce que ça peut prendre l'ampleur. Ça peut prendre l'ampleur, les gars. Nous aimons notre nation. Nous avons choisi. Et parle bien du choix. Parce que c'est un choix. Peut-être certains ne savent pas. Nous avons choisi d'entrer dans un combat de libération nationale pour tout un peuple ou bien pour se libérer soi-même. Voilà. Parce que pour la libération personnelle, on n'a pas besoin d'entrer dans une libération nationale. Tu peux aller voir un coach en développement personnel. Il peut te coacher et puis bon, il essaie de te montrer comment tu peux déployer tes énergies pour pouvoir commencer à être toi-même, c'est-à-dire penser par toi-même et arrêter les dogmes extérieurs. C'est différent. Mais si tu as embrasé, tu as choisi d'embraser un combat national, toujours tu dois penser au peuple. Et le peuple devient le vecteur directeur. C'est-à-dire avant de poser chaque action déjà, tu sais que tu le poses au nom du peuple et que les conséquences sont dramatiques parce que tu risques d'être banni de la nation pour haute trahison. C'est ça. Donc, c'était une parole à toute la famille révolutionnaire. À tous ceux qui se considèrent d'une manière ou d'une autre comme acteurs de libération. À ceux qui aujourd'hui par une orientation naturelle se retrouvent au terrain sur le combat. Parce que il y en a ceux qui veulent même être là, mais peut-être même ils sont au Cameroun, ils n'ont pas de visa. Il y a ceux qui sont peut-être aux États-Unis, mais les responsabilités, ils font le combat là-bas. Il y a ceux qui sont même ici en France, et que bon, vu la distance et les conditions, ils ne sont pas sur le terrain. Bon, si la nature nous permet, nous qui sommes là, d'être sur place, et de pouvoir accompagner ce combat, au nom du peuple, il faudra que la modestie, la loyauté, il faudra que l'équité soient les principes directeurs. Car vous êtes sur le terrain, vous combattez pour un peuple. La preuve en est que si vous combattiez pour vous, vous ne devez pas faire vos directs pendant que vous êtes dans le combat. Bien que montre-moi les profits dont il s'agit. Si vous combattiez pour vous, vous n'avez pas à mettre les directs pour que le peuple soit témoin de ce combat. Donc déjà, lorsque vous impliquez le peuple dans son combat pendant que vous êtes en action, et que lorsque vous allez venir maintenant prendre vos résolutions en mode vision, que vous oubliez que ce peuple aussi est à l'écoute
et que demain, ils vont analyser, discerner et prendre les vraies conclusions. Je vais appeler ça une bataille inconsciente. Je veux dire que bon, en même temps, on ne sait pas qui on est. Soit pendant que nous sommes dans les actions, on met juste les directs pour que le peuple sache que nous sommes sur le terrain, ou on met les directs pour informer le peuple de ce qu'on est en train de faire. Ça, c'est deux questions. Je parle comme ça aux activistes. Parce que ceux qui vont venir dans le combat lorsqu'il met sa vidéo, c'est pour que le peuple puisse être témoin de sa révolution. Là, c'est une chose. Il est conscient. Il appelle le peuple et fait le peuple vivre sa révolution. Mais s'il met son direct parce qu'il veut que le peuple voie qu'il est là, c'est autre chose. Le peuple, en même temps, va voir. Mais ce ne serait pas la même chose. Donc, c'est pour que tout ça soit tué. Donc, après Genève, acte 1. Après Genève, acte 2. Après le petit repos qu'on a pu faire depuis 2 jours, nous sommes revenus et nous sommes rentrés dans la réflexion profonde. Et peuple camerounais, le combat est à vous. Le combat est à vous. C'est vous, les acteurs de cette révolution. On parle du peuple en général. Dans le vous, il y a aussi le nous. Désormais, prenez vos responsabilités entre les mains. Et je vais rappeler à ceux qui viennent dans les directs là, pour vouloir vociférer. On est en train de dire exactement ce que nous sommes en train de dire ici. C'est le concret de ce que vous êtes en train de vouloir faire. Et ce n'est pas ça qui est important pour le peuple qui est là. Donc ce n'est pas toi qui va venir orienter le peuple à pouvoir réfléchir et comprendre ce que tu veux. Voilà. Parce que lorsque vous faites comme ça, c'est là où vous créez encore des zizanies. C'est comme ça que lorsqu'on a fait ce direct de recadrage, on nous a parlé de ce qu'un autre combattant a dit ailleurs. Et c'est ça donc, ce travail d'égocentrisme qu'on vous demande d'arrêter et de laisser le peuple conduire sa révolution. Si nous sommes sur le terrain et devant, toute action qu'on mène, toute pensée qu'on fait, c'est en synergie avec le peuple. Donc, je ne vais pas vous bloquer aujourd'hui. Parce que je comprends que vous êtes des combattants. Mais je vois que vous êtes des combattants déjà façonnés par une idole. Et c'est ce qui est très dangereux. Ici, nous, on parle au nom du peuple. Il y a des directs où vous pouvez partir faire cela là-bas. Il n'y a pas de souci. Mais si vous voulez déjà idolâtrer quelqu'un, vous accompagnez le combat à mourir. Et c'est ce que nous, on ne veut pas. Vous voulez idolâtrer quelque chose, idolâtrer ce qui est sacré. Il y a vraiment quelque chose qui est sacré, c'est la nation. Voilà. Donc, elle est venue me parler ici au nom de quelqu'un. Tu veux me parler au nom de ta nation ou bien au nom de ton peuple. Là, nous, on pourrait être d'accord. Je dis dans cette directe-ci. Donc, aujourd'hui, étant conscient que tu es un combattant, parce que bon, tu as quand même idolâtré un combattant, circonstances atténuantes. Mais si prochainement ça se répète, pendant que nous sommes là, pour pouvoir voir comment booster les énergies pour que nous tous, nous puissions se préparer pour les caps futurs, franchement, je ne tolérerai pas. Parce qu'on comprend aussi, on sait bien que parmi nous aussi, il y a des givrés. Il dit parmi nous les combattants. Mais lorsque vous arrivez quelque part, et que vous avez allumé vos téléphones, et que vous voyez qu'il y a un direct qui passe, essayez d'écouter même pendant 2-3 minutes pour comprendre le sens de l'orientation. Ici, on va parler de quelqu'un. On ne parle pas d'un combattant ici. Et que ce soit clair. Et ne croyez pas que moi, je n'ai aucun souci particulier. Tous les combattants vous diront, vous allez parler de qui que ce soit, c'est mon nom qui ne sortira pas là-bas, parce que mon travail, bien évidemment, vous avez vu lorsque c'était fort, on a rappelé ensemble ici à Mode Vision, avec vous, peuple camerounais, on a rappelé notre ami, le combattant est chez nous, on a rappelé Nyak, on a rappelé Kambo la Panthère, on a rappelé tous ces combattants, ils sont revenus, tous les entités qui avant, du maillot ou du nôtre, qui était officiel par rapport à notre entité. On a tout fait pour que ces entités-là, ils s'oublient, ils deviennent des centres de réflexion pour que lorsque nous sommes dans le combat d'ensemble, nous puissions former la famille combattante. Et c'est merveilleux. Donc, lorsque vous venez provoquer encore dans les directs, je vous dis bien, je comprends que vous êtes des combattants parce que déjà, quand même, vous êtes quelqu'un dans le combattant qui est votre référent. Mais rassurez-vous bien, lorsque vous faites ce genre d'action,
dans quel direct vous êtes. Voilà. Donc, si quelqu'un veut prendre la parole, les gars, parce que je crois qu'aujourd'hui, nous avons parlé des choses très importantes. L'objectif pour nous, c'est que la coalition gagnante puisse toujours être au cœur du combat. Et qu'on se souvienne toujours, chers combattants, que le génocide au nord-ouest et au sud-ouest est toujours en actualité. Il tue toujours. Donc, qu'on se souvienne. Non, France, je ne sais pas si on insulte. Bon, France, tu sais, je vais dire quelque chose. Si dans ta moralité, si dans ton être réel, j'ai pas suivi ça, c'est toi qui m'informe s'ils nous ont insultés. Si dans ton être réel et dans ton combat, c'est le drapeau que tu es venu voir ici. Tu n'as pas vu le vert ou jaune derrière là-bas? Voilà. Si dans ton combat, si dans le choix que tu as fait, puisque ça fait long, ça fait un moment, on lutte, hein, un bon moment. Et je peux pas vous rassurer que dans cette lutte, nous avons beaucoup grandi. Grandi parce que, comme je le dis toujours, il n'y a pas une école pour la révolution. Il a fallu qu'on se façonne. Ok, Francky, écris-moi un message inbox en me disant cela, et puis on va causer après. Il a fallu quoi? Qu'on se façonne au cours du combat. Il n'y a pas une école de révolution. Le Cameroun, donc, on nous a coupé de l'histoire. Du moment qu'on ne pouvait même pas s'identifier aux anciens. Bon, il y a certains qui étaient conscients. Bon, nous, on était conscients qu'il y a des anciens révolutionnaires. Donc, on a grandi dans la révolution. Donc, au fur et à mesure, on a appris à faire les moindres erreurs possibles. Parce qu'à l'époque, oui, vous voyez, on pensait qu'à Paul Biya va partir et tout et tout. C'est tout ce qu'on pensait. Au fur et à mesure, on a compris que c'est donné beaucoup de poids à Paul Biya même pour l'appeler dans le combat. Il faut qu'on pense aux vraies choses. Il y a une coalition qui a gagné. Et c'est elle-même qui est à l'origine du hold-up. Donc, il faut qu'on se focalise vers la vérité. Donc, on grandit au fur et à mesure. On a connu les frais de combat. On a connu des frais de combat. Je peux vous rassurer que le jour qu'on a failli me percer l'œil à Lyon, il y a les frères de combat qui sont là aujourd'hui, que vous dites qu'ils m'insultent, ou bien nous ont insultés, qui sont venus dire qu'ils voulaient être à ma place. J'ai dit pourquoi? Parce que mon sang s'est versé. Ça veut dire qu'il y a ceux qui sont là pour chercher l'héroïsme. La seule fois que vous avez vu, c'est le jour que je remercie encore Kamwa la Panthère ici et Général Barak. Kamwa la Panthère, il savait que peut-être, et Général Barak, il savait que nous avons un destin commun. Parce que dans toutes ces actions de choc, nous avons toujours été ensemble, que ce soit ce jour-là dont je parle, que ce soit l'autre jour à l'intercontinental où le déclic est venu avec ce journaliste-là, nous étions toujours ensemble. Déjà, je vous salue. C'est en passant, parce que là, ce sont les témoignages vrais. Quand on la Panthère et la générale Barat, Barat m'a filmé à mot de vision. C'est quand la Panthère qui a appelé l'ambulance et a insisté même d'ailleurs parce qu'il ne voulait pas venir afin qu'il vienne me prendre pour que j'aille à l'hôpital. Bon, il y a ceux-là qui ont voulu que ce soit eux. Je ne sais pas pourquoi, puisqu'ils me l'ont dit. Bon, je ne prends pas la chose d'une manière où je prends au premier degré. Mais quand j'ai pensé au peuple et à la nation, il y a ceux qui m'ont dit « repose-toi ». Ce drapeau-ci, c'est ce drapeau que j'avais ce jour, bien imbibé de sang. Voilà, on m'a conseillé de ne jamais le laver. Bon, finalement, ça se lave seul d'ailleurs. Donc, qu'est-ce qu'il disait? Vous voyez, dans ce genre de circonstances, il y a ceux qui devaient profiter de ce genre d'action pour vouloir peut-être se mettre en avant, pour pouvoir, si c'était le combat, était un combat égocentriste.
Oui, je le sais parce que je vis la révolution avec tous ces combattants-là. Et nous, on essaie tout pour pouvoir toujours les mettre en harmonie, puisque c'est notre devoir, c'est notre rôle. Devoir et rôle parce qu'étant conscient que le combat concerne la nation et le peuple, donc nous n'avons pas droit à l'erreur. Voilà. Donc, voilà que le sang a coulé. Ils ont voulu que ce soit eux, puisqu'ils me l'ont dit. Et ils se reconnaissent, puisqu'ils sont là avec les profils des Antigans. Voilà. Et ça pouvait créer à quelqu'un une situation de faire naître un ego pour que ça devienne un tabou. Ça devient que chaque fois qu'on raconte tout ça, ça n'a pas empêché que la prochaine marche, malgré que j'avais eu sept trous de suture, comme on le dit, j'étais là le lendemain. Prochaine manifestation, c'était pour les artistes. On était là, c'était pour le combat. On pleurait le deuil du hold-up électoral, le deuil de nos enfants qui mouraient au nord-ouest, au sud-ouest. C'est ça qui nous animait. Donc aujourd'hui, puisqu'on est en train de monter en puissance, quand on dit monter en puissance, ça veut dire qu'on grandit dans la révolution. On se rend compte que dans le passé, on s'est même frotté avec certains combattants. Parce que, bon, on se disait qu'on veut que les choses se passent bien. Mais par conséquent, on fait les erreurs, on venait à mauvaise vision pour vouloir dénoncer. Et ça déstabilisait les troupes. Et en même temps, lorsque quelqu'un, si quelqu'un est vraiment humain, lorsqu'il fait une action comme ça, à part s'il a perdu en lui la sensibilité humaine, il doit se voir regarder par un peuple. Donc il y a des choses aujourd'hui que je sais que si ça arrive, même quand je serai dans ma chambre fermée, j'aurai l'impression que c'est tout le peuple qui est en train de me regarder pour me castiguer. Mais si un combattant n'a pas atteint cette dimension-là, ils ne pourront que faire ce qu'ils font. Donc, c'est-à-dire quoi? En grandissant la révolution, on s'est pris la tête avec certains combattants. Les combats, donc, les affaires internes, ceux qui luttaient pour qu'il n'y ait pas des injustices dans les entités, ceux qui ne pensaient même pas que, bon, ceux qui étaient fanatiques de certains. Bon, à un moment donné aussi, on a grandi, le temps est passé, on a compris que, bon, c'est pas ça qui est le combat. On doit penser à quoi? À la nation et son peuple. Donc ceux-là même qui me citent, s'ils ont dû me citer ou bien qui m'ont insulté, ils me connaissent que dans la scène du combat. Ils me connaissent aussi peut-être comme ça, pendant que j'ai fait les lives. Ils me connaissent tous lorsque nous sommes dans les réunions ensemble. Je suis celui qui combat les injustices. Je dois le dire, je. Parce que si, peut-être ils pensent que comme on fait des choses en arrière et qu'ils viennent dire ce qu'ils veulent que vous pensez. Mon combat d'abord, c'est le combat de l'injustice d'ailleurs. C'est ça. Mon combat, je suis né, j'ai vu l'injustice naître dans mon quartier. Je vous ai expliqué ça hier. J'ai vu les étudiants subir l'injustice pendant que je suis un bébé. Nos aînés combattants qui sont là aujourd'hui aux États-Unis, partout, le Parlement qui faisait, c'était chez nous. Les gaz que les gens prennent aujourd'hui, on était obligé d'être gazés parce que ça se passait chez nous. Dans le quartier. Donc, ils ne pensent pas que le déclic de la révolution vient peut-être juste du hold-up. C'est que même le président élu, lorsqu'il se met en politique, c'est parce qu'il vient combattre l'injustice dont subit son peuple. Ça veut dire qu'il pense à sa nation. Je me demande encore si ceux-là qui viennent là et qui dit soit vous dites qu'ils ont insulté les autres combattants, ceci, cela. Est-ce qu'ils pensent même que le leader de la révolution, qui est la coalition, cette coalition qui a choisi le président élu Maurice Kamto, est-ce qu'ils pensent que ce qu'ils sont en train de faire, le leader de la révolution, ces leaders-là seront contents d'écouter cela? Vous cherchez des positionnements après? Ou bien c'est vous qui êtes à l'origine même peut-être des gouvernements de transition. Vous arrêtez cela car les gens vous voient et nos yeux sont rivés dans la révolution. Pas vers vous. Dans la révolution. Puisque vous faites partie de la révolution. Qu'il soit clair comme ça. Non, je me justifie. Non, Léo, non, je ne me justifie pas. Je suis seulement en train de prendre un exemple. Non, je voulais dire quoi? Merci, tu m'as fait revenir. Je voulais faire comprendre à ce combattant qui a écrit tout à l'heure que qui insulte, qui n'insulte pas,
tant que je suis en harmonie dans mon combat avec la nation et le peuple et dans la vérité, tout ce qu'ils vont faire, ce n'est qu'une faiblesse de leur part. Car tous ces gens, quand j'ai cité ici une ou deux fois, c'était toujours pour les booster d'énergie. Voilà. Donc si ces gens-là se prennent, comme on le dit toujours, comme les enfants de Koh-Lanta, oui, c'est quoi? Allez où? Bon, voilà. Si quelqu'un vocifère, là, vous écrivez son nom, s'il vous plaît. Parce que ici, voilà, on ne vocifère pas. Donc, c'est comme disait, c'est quoi? Vous savez, l'être humain, nous avons des potentialités. Et ce qui fait que, au fur et à mesure qu'on grandit en conscience, au fur et à mesure qu'on grandit, on se rend compte que, vous voyez un peu par exemple, si c'est vrai, parce que je ne les ai pas suivis, si aujourd'hui on fait cela, c'est pour amener les clashs, demain je viens, après demain l'autre vient et tout, est-ce que ça c'est la révolution? Est-ce que le leader, le guide de la révolution, il pourra être content de ce que les éléments dont il pense qu'ils sont en train de lutter pour la révolution nationale, pas pour lui. Bonsoir Christian. Pas pour lui. Mais ceux qui sont en train de lutter pour la révolution nationale, si on comprend qu'ils sont en train de créer des désordres au sein de la révolution, qu'est-ce que les guides suprêmes, qui sont la coalition, et le guide même qu'on a choisi pour être devant, qui est le président Maurice Kamto, qu'est-ce qu'il va penser? Est-ce qu'ils ont pensé à cela? Voilà. Voilà. Donc, c'est autant de questions qu'on doit se poser. Et c'est autant de questions que vous allez vous poser. Donc, la question n'est pas à mon niveau. Pour moi, si j'ai une situation... D'ailleurs, lorsque je suis dans mes moments de méditation, je suis inébranlable. Je n'ai pas ce temps-là. Mais les activistes, les internautes qui sont là, voilà. Les internautes qui sont là et qui suivent en temps réel leur révolution, qu'est-ce qu'ils vont en dire? Voilà. Donc, autant de questions, autant de solutions qu'on va trouver. J'ai dit, vous faites votre part de pétition. C'est comme ça que nous allons... J'aimerais que nous, si vous êtes d'accord, on va fonctionner prochainement. Vous qui êtes là, témoin de ce que je suis en train de dire, au nom du peuple, au nom de vous-même qui êtes là, ben, c'est à vous de voir. Est-ce qu'on est d'accord que si un combattant commet encore ce genre de stupidité, que si un combattant commet encore ce genre d'erreur, vous, nous entrons en pétition, on l'écrit inbox. Envoie les cœurs parce que je vois les enfoirés qui sont arrivés là. Donc, on entre en pétition. On envoie directement en inbox à ces combattants pour ne pas les frustrer. Pour ne pas les frustrer, bien sûr. Parce que cela n'est pas l'objectif. Mais pour faire une remise en question. C'est-à-dire, on va en inbox. On l'écrit. Hein? Nous sommes 100, 200. On l'écrit pour dire, chers combattants, depuis le début de cette révolution, nous avons compté beaucoup sur vous. Nous sommes une famille combattante. Par conséquent, depuis un moment, on te voit d'erreur en erreur. Et justement, c'est parce qu'on n'aimerait pas que tu puisses te perdre que nous te demandons de te ressaisir et de te reconnecter dans le combat et avec toute la famille combattante. Ah oui? Voilà. Donc, nous, on écrit comme ça, nous sommes 100, 200, 300. Quand il va voir son inbox le matin, il va voir que la pétition est passée. Voilà comment on va faire notre part de pétition maintenant. Voilà. Comme ça, il n'est pas frustré. Il a lu ça inbox. Il sent que, là, il va sentir, comme je disais tout à l'heure, l'un qu'elle est dans sa chambre, il sent que tout le peuple est derrière lui. Les yeux sont rivés vers lui. Il y aura une remise en conscience. Voilà. C'est le travail que vous, internautes, vous devez faire. Pas seulement regarder les lives et puis bon, appeler vos copains, copines et puis voilà, telle a fait un live là tout à l'heure et puis pourtant, ça ne vous booste pas. Faites des choses qui doivent vous booster d'énergie, que vous soyez toujours en éveil.
C'est ça. Donc, c'est-à-dire, vous voyez que notre mission, puisque aujourd'hui, sur le peuple, vous voyez, d'abord, je suis avec vos Amazones, avec les mères. Donc, tous les jours, elles ont ce devoir aussi moral de me conseiller. J'ai plusieurs mères. Elles sont en train de me façonner pour que je ne perde jamais la tête dans le combat. Et elles sont nombreuses de par le monde. C'est une responsabilité toujours que, naturellement, le peuple sans vouloir m'a donné et que j'assume. Et je suis aussi là pour les protéger en tant qu'ange gardien. C'est tout. Donc, ce qui fait que, si à n'importe quelle situation, je viens voir une des mères, je dis que, maman, il y a une situation. Hein? Elle me donne son conseil, l'autre me donne son conseil. C'est comme ça qu'au fur et à mesure, je ne fais qu'éviter les erreurs. Je demande le conseil. Puisque nous sommes les êtres humains et nous sommes dans un combat encore plus important que certains croient. Donc, ça veut dire. La situation est plus profonde et plus. Donc ne vous découragez pas, les gars. Acceptez que ces gens-là, ils n'ont pas encore atteint une conscience nationale. Ah oui, il y a une conscience nationale. Oui, ils n'ont pas encore atteint la conscience nationale. Ils ont une conscience peut-être encore, disons, je ne veux pas prononcer le mot infantile. Hein? Je vais mettre humain quand même. Voilà. Je mets humain dans ça parce que je considère que après la pétition qu'on doit faire, ils vont se remettre en cause. Et en tant qu'être humain, ils vont se ressaisir et reprendre le sens du combat. Donc, vous là, sachez que il y a des familles au Cameroun qui sont aujourd'hui en déprime totale. Et que tout leur espoir est dans ce combat, dont vous avez tout fait pour qu'ils embrassent. Au début de ce combat, l'objectif c'était que la famille combattante au Cameroun, les indignés, puissent rejoindre le combat. C'était l'objectif. Qu'ils puissent comprendre ce qui se passe en réalité et qu'ils s'indignent. Afin d'ancrer dans le combat. C'était l'objectif. Aujourd'hui, qu'ils sont indignés, qu'ils sont entrés dans le combat, au lieu de les accompagner dans le combat, vous venez faire des lives ici pour vociférer, les gars. Ça ne tient pas là. Ça ne tient pas. Ça ne tient pas, les gars. Vous savez qu'il s'agit d'un peuple. Donc, on arrête ça, les gars. C'est pourquoi, vous avez vu dans le titre, on a dit la récréation est terminée. Voilà. Voilà, la récréation est terminée. Vous, peuple, repartagez ce direct-là pour que ça puisse arriver aux oreilles de ces gens-là, pour que ça les réveille et ancrer en pétition. Ancrer en pétition. Notre pétition sur le inbox. Voilà, Colonel Sow, vraiment. Colonel Sow, c'est comme ça. Colonel Sow, c'est comme ça. Je lis toutes les pétitions. Je dis que merde, c'est comme ça. Voilà. C'est pourquoi on ne frustre pas le combattant. Et qu'on n'expose pas les situations pour aggraver dans les réseaux sociaux. On n'aggrave pas les situations dans les réseaux. Voilà. Vous aimez votre nation. Évitez d'idolâtrer quelqu'un dans le combat. Vous pouvez aimer, l'encourager. Et aimer, encourager, ça veut dire que s'il a fait une erreur aussi, il doit être corrigé. C'est aussi clair que ça. S'il a commis une erreur, il faut qu'on corrige l'erreur. C'est aussi ça, aimer les gars. Voilà. On n'empêche personne d'entre vous d'être fan d'un combattant. Ça vous regarde. Ça regarde tout un chacun. Qui devient même des idoles pour vous, ça, c'est normal pour vous. Mais à condition que. Lorsqu'il y a une situation qui concerne la nation, arrêtez vos idolâtries là, allez laissez vos dogmes là et que
on revient au centre des problèmes qui est la nation et son peuple. Voilà. Donc actuellement, comme on le sait, le système est en agonie. Oui. Non, 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 France. Bon, de toutes les façons, bon, moi j'ai donné ma part de stratégie pour qu'on puisse rééquilibrer le combat. Et sachez un truc, dans un combat national, il n'y a pas de sentiment. Quand il n'y a pas de sentiment, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas en empathie avec l'autre. On n'est pas en sentiment dans la mesure où quelqu'un va profiter d'une autorité pour pouvoir désorienter le combat, corriger-le vite et rapidement. Voilà. Corriger-le vite et rapidement. C'est là que je parle affaire de sentiment. Ce n'est même, c'est pas une affaire de I love you, me too, ou bien je t'aime moi non plus. Non, non, non. Voilà. Quand la cause devient nationale, vous arrêtez vos sentiments. Et puis tout ce qu'on fait, c'est dans la justice, l'équité et la vérité. Voilà. Je dis bien justice, équité et vérité. C'est ça que ça devient notre devise. Voilà. Donc, pour mes chers combattants qui croient que le peuple ne les voit pas et qu'ils ont besoin de venir dans les réseaux sociaux et pourtant sur le terrain on les voit, partout on les voit. Peuple, demandez-leur qu'est-ce qui va les faire comprendre que vous les voyez et que vous les encouragez. S'il te plaît, demandez-leur. Parce que parfois, il faut poser la question. Vous êtes combattant, qu'est-ce que tu veux pour que tu saches que nous sommes avec toi, toi avec nous, et que nous sommes tous ensemble dans le combat? Posez la question. Parce qu'il y a des questions aussi qu'on pose, ça révèle l'être. Il comprend qu'il était déjà en train d'ancrer dans un sommeil profond. Voilà. Ça va les rassurer peut-être, pour ceux qui ont besoin d'être rassurés. C'est aussi vrai que ça, les gars. Parce qu'on ne comprend pas pourquoi, en ce moment du combat, c'est comme si on était le jour de l'examen. Hein? Et que chacun attend son bulletin. Et pourtant, on a gagné juste une petite bataille. On a savouré avec un bon plat après pour reprendre les énergies. On a revoyagé. Nous sommes revenus au centre des opérations dans nos différents pays. Et maintenant, on pense à demain. Comment on va continuer le combat? Et d'autres sont en train de donner les résultats et ils sont en train de noter les gens. Voilà. France, à vous de faire cela. Et inbox, comme on a dit. Voilà. Si je suis en train de dire cela, je m'adresse non seulement à ceux qui se sont accoutumés à faire cela, parce que le jour qu'ils viennent faire cela, vous êtes aussi très nombreux à le voir, c'est normal, à l'écouter, et c'est aussi très normal. Hein? Mais vous êtes peu à pouvoir aussi les critiquer directement pour qu'ils arrêtent avec ces gens de conneries. N'ayez pas peur de me critiquer. N'ayez pas peur de critiquer même le président élu s'il fait une erreur demain. N'ayez pas peur de critiquer qui que ce soit s'il est dans l'erreur. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, oui, même ceux. C'est pourquoi je parle. Quand j'ai parlé de l'humilité, quand j'ai parlé de la noblesse et de la loyauté, il dit à toi, Diz. C'est justement pour que on puisse tuer en chacun. Franchement, parce qu'il y a un mot que je dis toujours et je répète. Vous savez, toujours et toujours, puisqu'ils sont très forts que nous, ils ne font que couper, envoyer les cœurs. Donc avant de conclure, on va répondre d'abord à notre ami qui a parlé là, qui est très important, Gis. Voilà. Donc voilà, c'est la nature humaine. Nous avons bien dit que dans le contre-pouvoir, la différence entre le contre-pouvoir et le pouvoir, c'est quoi? Dans le contre-pouvoir, ce sont les indignés qui ont pris conscience. Ils ont pris conscience que la loi fondamentale, le don fondamental, que la liberté est bafouée. Et qu'on a même tué, ça n'existe même plus. Donc, dès qu'ils prennent conscience comme ça, c'est tout un peuple qui se reconnaît dans ça. Et dans ça, il y aura des fous, il y aura des chiens, il y aura des chats. Donc, il y aura tout genre d'espèces d'êtres. Tout
genre. Donc, mais ils ont pris conscience que le pouvoir qui est là n'est pas un pouvoir légal. Il est illégitime, usurpateur, machiavélique. C'est un pouvoir qui n'aime ni sa nation ni son peuple. Donc, il y a un conflit maintenant entre les deux, le pouvoir et le contre-pouvoir. Donc, ça veut dire que dans le contre-pouvoir, il est bien vrai que ce qu'on aimerait, c'est que ceux qui sont devant sont ceux qui ont tué leur être pour être la nation. Il tue son être pour devenir la nation. Il tue son être pour devenir la nation. C'est toute action qu'il mène, c'est au nom de la nation. Et qui dit nation, dit peuple. Puisque c'est la nation qui porte son peuple. Donc, il y aura tout genre. Mais ce qu'on aurait souhaité, c'est que ceux-là qui sont devant et qu'on voit devant, que la nature les a orientés, puisqu'ils sont là où il faut être à ce moment. Et c'est pourquoi ils sont là. Ben, il faut le dire vrai. On aurait voulu qu'ils soient exemplaires, même dans le comportement, le caractère, qu'ils soient humbles et qu'ils aient le sens de l'équité et de la justice. Mais on n'y peut rien. Il y en a tous qui sont là. Il faut un combat formidable, oui. Mais s'il y a un reproche vrai que vous voulez faire à un combattant, la pétition est là. Vous partez dans son inbox, vous l'écrivez. J'aime bien ton combat. J'aime la manière que tu fais ton combat. Tu lui dis tout ce que tu as à lui dire. Et si tu as un reproche, tu dis que mais à un niveau quand même, il te faut un peu d'humilité. Voilà, parce que parfois ça déconne. Et parfois je me sens écœuré parce que tu es un combattant admirable. Tu lui as dit cela. Parce que si on ne dit pas, on ne connaît pas. Puisqu'il y a ceux qui ne consultent pas. Il y a ceux qui ne consultent pas, il fait son combat. Et puis bon, selon l'actualité, selon ce qui arrive, selon ce qui se dit avec ses copains, ses copines, ses amis. Puisqu'il ne consulte pas. Il y en a ceux qui consultent pour pouvoir essayer d'être ce que tu veux qu'il soit. Il y a ceux qui sont conscients que, bon, en tant qu'être humain, il faudra que lorsque je choisis quelque chose, c'est pour l'accompagner à bon port. Donc, on trouve de tout. Donc, le combat est loyal. Et le combattant aussi doit être loyal. Le combat est national. Et le combattant aussi doit penser nation. Le combat concerne les hommes. Et le combattant doit aussi penser au peuple. C'est ça qui est la vérité. Parce que lorsque ça commence comme ça, les gars, voilà comment ça commence. Et maintenant, je le dis en tant que prophète. Lorsque ça commence comme ça, il commence ces gens des zizanies et tout. On ne coupe pas la gangrène. Ça commence à évoluer. Ils voient qu'on s'en fout, tu t'en fous, tu ne réponds pas, tu es focus dans ton combat. On commence maintenant à vouloir créer des situations autres. Et un jour même, ils viennent à mode vision, ils sont concentrés. Ils disent qu'ils t'ont vu avec un sardinat du coin, mais que tu as perçu l'agent. C'est comment que ça commence? Donc si vous n'agissez pas rapidement, quand l'heure viendra, ça c'est vous créer encore un désordre total. Donc coupez cette gangrène maintenant et avisez-les qu'ils ne font plus jamais ce genre d'erreur. Vous dites bien jamais. Voilà. Ils ne sont pas politiciens. Sinon, on ne les donnait pas une deuxième chance. Le cas des politiciens, ils n'ont plus une deuxième chance. Comme Matomba, Cabral, Yoshua, plus de chance. Ce sont les révolutionnaires, ils peuvent faire des erreurs. Mais si on les avise une, deux, trois, quatre, cinq fois, c'est vous qui saurez comment vous allez les classer. C'est vous. Voilà, il y a un d'entre eux qui a fait les mêmes choses. Vous l'avez classé jusqu'au jugement. Au jugement, persona non grata. Voilà, il vous supplie de venir le voir en mode vision. Il vous supplie parce que vous l'avez tellement averti. Il pensait à son égocentrisme mal mesuré, donc démesuré. Aujourd'hui,
il subit ses propres conséquences. Donc, les chers combattants, vous avez décidé d'être l'œil du peuple. Avant que le peuple soit complètement éveillé, nous avons ce devoir de rester avec la flamme allumée, de protéger la flamme qu'elle ne s'éteigne pas. Ils sont là. Aujourd'hui, ils commencent à manger du solide. Hier, c'était le lait. Ils commencent déjà à bien mâcher, mais ils ne peuvent pas encore bien croquer les os. Donc, notre devoir, c'est de les accompagner afin qu'ils puissent bien broyer les os. À ce moment-là, on pourra se réjouir. Donc, si on allumait un feu, oui, si on allumait un feu pour pouvoir l'éteindre aussitôt, et pourtant, nous ne sommes même pas dans un clair-obscur, mais dans une obscurité totale. Ça serait aussi une haute trahison contre la nation. Voilà. Ça serait aussi une haute trahison contre la nation. Donc, ne croyons pas seulement que ce sont les combattants qui sont là, peut-être sur le terrain ou bien par-ci, par-là, qui auront des comptes à rendre. Nous aussi qui sommes là, les gars. Puisque chacun était étant dans son dynamisme et dans son combat, selon, j'appelle souvent le degré de conscience, mais je veux dire selon le feu qu'il a allumé dans son cœur et la manière dont il a tiré ce feu. Donc, ils ont su que nous aurions des comptes à nous rendre à nous-mêmes, pas à quelqu'un d'autre. Parce que ce serait comme si on veut faire peur à un combattant pour dire que tu auras des comptes à rendre à la nation. Oui, tu vas rendre compte à la nation parce que la nation va te demander ses comptes par rapport à ce que tu fais. Mais le plus grand compte, le plus important, c'est que toi, tu vas rendre à toi-même. Parce que tu t'es trompé toi-même à un moment donné et tu as accepté la vérité comme le mensonge comme vérité, tu as vécu avec. Un jour, le mensonge là saura qu'il n'est pas sur sa place, il va vouloir sortir et il va te faire violence. Parce que tu es dans un corps de vérité. Vous avez vu que tous ceux qui ont toujours entretenu le mensonge en eux, un jour, ils cherchent, ils regrettent. Il est dans un bar comme ça, un ami dit que ouais, j'avais fait un truc là avec quelqu'un, ouais, c'est pour me le voir pour lui demander des excuses, ouais, je ne savais pas, je ne sais pas ce qui m'était arrivé. C'est parce que le mensonge veut sortir de toi. Parce que ton corps est un corps de vérité, les gars. C'est ça. Voilà. Donc, c'est pour aviser à ceux-là qui ne savent pas. Nous avons eu la chance peut-être d'être initiés et d'avoir compris des choses. Et la seule chose qu'on nous a demandé de faire, c'est de transmettre. Et pour cela, il faut l'harmonie totale. Si on doit transmettre en harmonie et avec amour, donc pas l'amour, donc par penser certains, c'est ce qu'on appelle l'amour sacré. Parce que l'amour sacré, c'est la seule force d'équilibre qui unit le plus et le moins. Ce que vous appelez le plus souvent la maîtrise. C'est ça l'amour sacré. Voilà. Et tout ça fait partie de la révolution. Et tout ça doit être appliqué dans la révolution. Pour ceux qui en connaissent. Voilà. Donc, chers combattants, vous savez, c'est toujours un honneur de partager ces moments de rebostage. On n'accepterait pas que la révolution nationale puisse être déséquilibrée par un groupe d'individus sectaires. Et on les ouvre encore les cœurs qui viennent. Ensemble, nous sommes plus chauds. Qu'ils arrêtent de faire ce qu'on appelle la sorcellerie en plein jour. Voilà. Qu'ils arrêtent de faire
nous avons ouvert nos cœurs. Je pense que nous sommes d'accord ensemble. Nous avons ouvert nos cœurs pour qu'ils viennent, on se réchauffe ensemble et qu'on continue en synergie. Je n'aime pas personnellement lorsque on coupe une partie de notre membre. C'est-à-dire quand on veut prendre un jugement pour profiter des situations, des circonstances, pour pouvoir dire que bon, voilà qu'on va isoler X ou Y ou bien. On n'a pas ce pouvoir, les gars. Ça agit avec la haine. Oui, ça c'est une action haineuse. Sans le savoir, même si la personne a tort, il va s'isoler seul. Et c'est vrai, car c'est le peuple qui aura le dernier mot, la sentence. C'est ça. Voilà. Donc les gars, si quelqu'un veut prendre la parole, le truc est ouvert. Sinon, on va se dire à très bientôt. Si vous avez des informations sur le Cameroun, envoyez-nous ça rapidement, inbox, pour qu'on puisse aussi être informé de la situation réelle dans le pays. Surtout en ce qui concerne les familles combattantes au niveau du Cameroun. Ah oui, c'est un exemple, Gis. Donc, il s'isole seul. Je le dis toujours encore. Donc, je le dis toujours encore. Ce qui nous fait gagner ce combat et graver ça en vous, et c'est une vérité certaine, c'est que le camp d'en face, l'ennemi numéro un de la nation, nommé Mbiapol et sa clique, ils ont décidé de détruire son peuple à cause de la haine qu'ils ont pour leur peuple et de leur nation. Et c'est pourquoi ils sont en train de perdre le combat. Parce qu'ils agissent avec haine. Et si vous voulez voir la démonstration pratique, retournez le regard vers le Nozo. Vous voyez comment ils détruisent nos enfants. Ils détruisent notre peuple. Voilà la démonstration de haine qu'ils ont en eux, qui se met en pratique. Et c'est pourquoi ils perdent le combat. Donc, quant à nous aujourd'hui, si nous on vient avec cette même démonstration de haine envers eux, vous allez voir qu'il y a un conflit. Donc, c'est comme si le moi et le moi se mettaient en face. Non, nous sommes le plus. Nous on vient avec amour, mais pas pour eux. L'amour de la nation et du peuple. Cela, ils n'avaient pas compris parce qu'ils voulaient qu'on vienne aussi avec la haine contre eux. Pour tuer le combat. Ça serait haine contre haine, court-circuit, total. Et avec l'amour de la nation et du peuple, on se rebosse d'énergie. On transcende toutes ces petits trucs qu'ils ont organisés il y a longtemps pour pouvoir nous faire vivre dans la peur. On transcende la peur. On les affronte. C'est à cause de l'amour de la nation et du peuple que là, à Genève, vous avez vu les Amazones et tous les combattants qui étaient là. Ils étaient prêts à ancrer à Etoudi. Parce que Etoudi là-bas était un hôtel intercontinental pour mettre feu. Ça cause l'amour de la nation et du peuple. Mais si on avait la haine, on n'est pas à avoir ce courage, les gars. Voilà. C'est ça l'amour, l'union, solidarité. C'est ça. Donc vous voyez que, je vais toujours le dire, puisque je le sens, nos ancêtres premiers ont accepté aujourd'hui cette libération, parce que ce n'est plus la haine du système qu'on a, mais l'amour de la nation et du peuple. Et c'est ça qui fait qu'on ne peut pas combattre ce système. Ils ont raconté, vociféré, j'ai appris, puisque je ne suis pas, qu'à la CIA TV, ils ont commencé à raconter que, bon, voilà, ils sont partis en Suisse,
Ils ont créé le désordre, ils ont fait ceci, cela. Donc, c'est les histoires qu'ils ont l'habitude de raconter au Cameroun lorsque les manifestants pacifiques arrivent. Mais vous voyez, quand on parle des givrés, des gens qui ont la haine de leur peuple, celui qui a la haine de sa nation, il ne se met pas en évidence que dans tout ça, ces six éléments de leur système qu'on a mis en prison, et que le samedi passé, nous sommes revenus. Donc, comme s'ils voulaient faire comprendre au peuple que bon, voilà, ils sont partis créer des ordres ailleurs, ce sont des ceci, cela. Comme c'était des wanted qui ont fui. Et samedi passé, on était encore là-bas. Les qui me suivent souvent, c'est ce qu'ils m'appellent, ils me disent, pardon, ne me dites plus les choses. Je ne pense même pas à ces gens-là. Bonsoir, Pecos. Nous n'avons pas intérêt à rester même parce que bon, il y a certains qui appellent comme ça, bon, ils profitent aussi pour nous donner une information. Poupée Ngassa, Amazon de feu, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. J'espère que tu vas bien. Beaucoup de bisous de cœur. Et à vous tous qui nous ont aussi rejoints. Donc, ce qu'elle disait, c'est quoi? Ce qu'elle disait, c'est quoi? C'est que ceux qui partent encore suivre ces givrés et qu'ils nous appellent. Bon, appelez-moi et dites que bon, il y a un problème comme ça, que bon, qu'on laisse. Bon, tu as fait un petit truc là. Je veux que vous me corrigez, vous m'aidez à me corriger. Voilà. Vous m'aidez à me corriger. Pour que, puisque le combat c'est l'endurance, que ça dure 1000 ans, que nous sommes là, 1000 ans, toujours focus dedans. Voilà. C'est ça qui peut m'arranger. La seule force d'énergie que vous pouvez me donner, je dis à moi personnellement, je parle un peu de jeu. C'est que s'il y a une situation, vous m'écrivez que, oh petit, fais attention, tu te prends un peu la tête là. Hein? Là, j'ai dit attention, moi-même, je commence à revoir. Non, c'est ça, les gars. Voilà. Donc, c'était votre colonel So. Vous savez, vous commencez à me décourager même dans vos directs. Parce que lorsqu'on parle, il n'y a personne qui parle. Et pourtant, nous avons dit que dans notre page ici, c'est l'expression du peuple. On parle pour se booster et tout et tout. Ou bien vous avez décidé que bon, c'est moi seul que vous allez écouter et que vous n'allez pas parler. C'est ce que je me demande. Voilà. Oui, c'est ça. Il faut que vous aussi vous parliez, on discute ensemble. Hein? Oui, je sais que vous écrivez, beaucoup écrit des choses. Mais, néanmoins, il faut aussi parler pour que on vous écoute. Voilà. Voilà, c'est bien ça, quelqu'un a lancé. Voilà. C'est comme ça. Puisque quand je dis, je viens pour qu'on soit en synergie, et puis je passe tout le temps à parler, et puis je finis, je ferme, sans que vous ne parliez vraiment. Je suis touché, c'est comme si on était dans une homélie pontificale. Bonjour, professeur. Salut combattant. Merci, bon, salut. Je ne sais pas trop quoi te dire là. Vous avez vraiment défendu les couleurs du Cameroun à l'extérieur là. Ouais, Merci, c'est l'obscurité qui fuit la lumière et non l'inverse. L'obscurité fuit la lumière et non l'inverse. Donc, merci. vous avez vu, la vérité, c'est connu. C'est ceux-là qu'ils appellent les terroristes qu'on a attrapés, on a mis en prison. Hein? Voilà. Et ceux qui s'étaient pris la poudre des stampettes, ils vont devenir des réfugiés politiques. Ces soi-disant Voilà. billes qui venaient tuer les Camerounais, vous les voilà, ils sont devenus des prisonniers politiques, des chercheurs d'asile. Et on j'avais dit Voilà. cela à l'époque. La situation va se renverser. Aujourd'hui, ils utilisent la fibre tribale pour nous diviser. Moi, j'ai Justement. fréquenté avec les Bassa, avec les Ewondo. On mangeait dans le même plat. Dans ma famille, il y a les Blancs, il y a les Noirs. Parmi les Noirs, il y a les Banileke, il y a les Nordistes, il y a toutes les races sont dans ma famille. Ceux-là qui provoquaient la guerre civile, quand ça va déclencher, ces enfants métis seront dans quel camp? Justement. C'est un couteau à double tranchant. Et Ah ils oui. le savent très bien que c'est en leur faveur, mais ce couteau va finir par les couper également. Personne Bien ne sûr. gagne une guerre contre son peuple. Personne n'a gagné une Jamais. guerre contre son peuple. Donc, ils s'amusent avec le feu pour tuer le temps. Je vois, n'est-ce pas, certains chefs, certains députés du Sud qui écrivent les mémorandums parce que, contre, pour se désolidariser,
Pourtant, c'est eux qui sont en train de provoquer la guerre tribale. Vous avez une radio au niveau du centre qui radio à quelques mètres de Paul Biya, s'il vit encore, qui à longueur de journée diffuse le tribalisme. Certains disent qu'ils vont prendre la matière pour aller découper telle tribu. Vous croyez que cette tribu va rester tranquille pour qu'on vienne la découper passivement comme ça? De quand annonce qu'ils vont prendre les maisons de ceci, quand ça va déclencher, ils veulent prendre tel immeuble appartenant à telle tribu. Comme si ceux-là vont rester à attendre. Et quand certaines personnes ripostent avec beaucoup d'ironie, on dit que c'est eux les tribalistes. Moi, je crois qu'il faut qu'on arrête, qu'on résolve le problème du tribalisme à la racine. Biya a instauré le tribalisme dans la constitution camerounaise. Lui parle clairement des autochtones et des halogènes. Qui est autochtone au Cameroun? Qui est halogène? Vous ne trouvez pas que c'est une bêtise humaine? Il faut qu'on arrête avec ce désordre et que Biya soit responsable devant l'histoire. Merci. Il veut créer le chaos. Pour lui, après moi, c'est le déluge. Vous voyez, ça, c'est très dangereux. Après Biya, le Cameroun va continuer. Bien sûr. Bien, je voudrais ici me focaliser sur le problème. Je savais, je représente Andy Bass, la branche des personnes handicapées de la Bass. Ah, très bien. Chaque fois que vous faites des lives, parlez des problèmes des personnes handicapées, même si ce n'est qu'une portion des problèmes des handicapés, je voudrais que ça sonne dans l'oreille des milliers de personnes qui nous écoutent maintenant. Quand il fait soir, au soir, les personnes handicapées ramassent des cartons et dorment sur des vérandas, faute d'abri, sous le regard complice de la communauté nationale et internationale. Ça, c'est une honte pour tous ceux-là qui prétendent développer un pays. Les personnes handicapées n'ont pas d'emploi. Les personnes handicapées au 21e siècle au Cameroun utilisent des troncs d'arbres comme bâtons. Elles n'ont pas accès aux béquilles. Pour qu'on vous donne une béquille, il faut que vous chantez, qu'on vous mette en tricot du RDPC et vous chantez des louanges hyperboliques sous un soleil de canicule. Pour qu'on vous donne un fauteuil roulant, c'est un luxe. C'est un luxe. Et c'est une honte. Regardez les bâtiments publics. Les bâtiments publics ne sont pas adaptés aux personnes handicapées. Il faudrait qu'avec ces milliards qui partent bousiller en Suisse, qu'ils aménagent des rampes et des ascenseurs pour que les personnes handicapées aient accès à ces bâtiments et qu'on crée des emplois pour des personnes handicapées. Regardez ces milliards qu'on vole là. Moi, j'ai fait plusieurs pays. Il y a des emplois privilégiés pour des personnes handicapées dans plusieurs pays. En Tunisie, par exemple, la couture des tenues militaires est exclusivement faite par les personnes handicapées de la Tunisie. Moi, il faut penser à ces choses-là au Cameroun. Quand j'ai lutté pour ces personnes handicapées au Cameroun en tant que professeur, moi je suis professeur handicapé. D'accord. On a failli m'abattre là-bas au pays. J'ai parlé de beaucoup de choses, de grenier de la solidarité. On m'a pris comme un diable. Alors, voudrais donc que vous pensiez chaque fois qu'il est possible de parler d'un volet des problèmes des personnes handicapées. Ces personnes handicapées représentent 10% de la population camerounaise. 10% des populations abandonnées à elles-mêmes, les droits bafoués. C'était au bas de l'échelle. Donc, une fois de plus, c'est Andy Bass, professeur Wele. Bon courage. D'accord. Et toi, tu es basé où, professeur? Moi, je suis aux États-Unis. Je suis professeur aux États-Unis. Ok, très bien. Des étudiants présentant un handicap. Donc, je suis dans le domaine des personnes handicapées à 100%. J'étais président des personnes handicapées, des associations des personnes handicapées au Cameroun pendant plus de 20 ans. Donc, je sais de quoi je parle. C'est une couche misérable, abandonnée à elle-même, par eux-mêmes, par leur famille, par l'État. Ce sont les orphelins de la société. Et il faut que ça s'arrête. Que la nouvelle société qui va se bâtir prenne en compte les personnes handicapées. Très bien. Oui, ça, c'est ma revendication. Tu sais, la dernière fois, lorsque j'étais avec les Amazones, tu as pris la parole, le réseau dérangeait. Le jour qui suivait, j'ai fait un direct aussi où j'ai mis une partie spéciale pour les handicapés, exactement, pour qu'on puisse aussi beaucoup penser à eux. Et c'est bien lorsque tu reviens comme ça. Bon, c'est pourquoi je disais, c'est le peuple. Lorsque nous sommes comme ça en synergie, lorsque tu appelles pour nous parler de ça encore, on se souvient que il ne faudra pas qu'on pense qu'on a passé le cap. Il faut que ça accompagne le combat. Parce que ça fait partie des injustices que subissent les peuples et la nation. Hein, professeur?
Oui, c'est vrai. Et puis, je pense qu'il faudrait qu'on fasse un live ensemble pour que je débatte. Moi, je suis spécialiste du problème des personnes handicapées. Je voudrais qu'on fasse un live pour qu'on D'accord. débatte, qu'on mette à nu ces atrocités qu'on fait aux personnes handicapées qui n'ont pas de voix. Je suis Très capable de bien. faire une émission pour, ensemble avec toi, si tu le veux, pour qu'on Je essaie veux très bien. d'exposer. Oui, puis il faut qu'on expose tout ce qui se passe. Récemment, il y a une personne valide qu'on a mis en prison. On a attaché les pieds comme les pieds d'un animal et cette personne sort de la prison avec les deux pieds amputés. Vous avez vu cette personne handicapée qui a sur fauteuil roulant, abattue par la milice de Mbia. Ça, c'est Justement, des on a vu atrocités. cela, oui. Comment vous pouvez tirer sur une personne handicapée sur un fauteuil roulant? Une personne handicapée sur un fauteuil roulant. Cette personne handicapée peut fuir. Il faut qu'on expose tous ces diables, ces actions diaboliques du système BIA. La personne handicapée n'a pas péché pour être handicapée. Et j'ai toujours dit que ce sont les personnes handicapées qui gouvernent le monde. Beaucoup de gens ne le croient pas. Hein? Le président Roosevelt, qui était le meilleur président des États-Unis, il était sur les petites, il était sur les béquilles. Le meilleur physicien, les deux meilleurs physiciens du monde qui ont succédé, c'était des personnes handicapées. Pourquoi est-ce qu'on doit les chosifier jusqu'à ce point-là? Je voudrais que vous me mettiez en contact avec cette fille qui est régulièrement à vos marches, là. Il y a une fille handicapée qui est régulièrement à vos marches. Mettez-la en contact avec moi. J'ai déjà, Andy Bass fonctionne déjà aux États-Unis. Ça fonctionne déjà en France. Il y a une branche qui se naît au Canada. Nous voulons créer toutes les cellules Andy Bass dans tout le monde. Oui. Oui, mettez-la en contact avec moi. Oui. Elle est dans toutes vos marches, là. Oui. Allô? Alors, c'est ce qui menace déjà le live. Oui, donc je veux coordonner tout cela et on va être une voix. Là, on va faire ce qu'on appelle la dictature de la minorité. Nous allons faire ce qu'on appelle la dictature de la minorité. Ils vont finir par entendre nos voix. D'accord. OK, Donc salut à tous et... Oui, très bon. tu peux compter sur nous. Tu m'écoutes? C'est bon? Oui, j'écoute. Voilà. Voilà, tu peux compter sur nous parce que bon, lorsqu'on parle des injustices dans une nation, bon, généralement, bon, on a l'habitude de penser plus à ce qui est économique, peut-être, voilà. On pense aussi peut-être au niveau infrastructure. On pense peut-être aux conditions, voilà. Normal, hein? Bon, parfois aussi on parle même de la Ah oui? santé, puisque tu m'écoutes? Oui, j'écoute très bien. Voilà. Oui, Aussi on parle parfois de j'écoute. la santé, et en oubliant que la santé n'est pas seulement pour l'être qui devient malade à un moment donné, qu'on peut les guérir, mais que parmi eux aussi, il y a ceux qui ne peuvent plus jamais être en condition normale. Hein? Et comme on les a mis dans l'ombre, du moins que nous-mêmes on a Absolument. accepté, hein? On accepte parce que bon, on a oublié. Tu vois un peu le système machiavélique. C'est le système machiavélique. Il nous fait oublier même des Ouais, choses tellement importantes. Hein? Du moins que bon, tout ce qu'on pense comme problème, c'est peut-être les problèmes économiques, manger, boire et tout et tout. Pourtant, ça, c'est un problème réel. Voilà. Donc, ce ah qui fait oui, que, comme tu as dit. il nous demande est-ce que les personnes valides ont pour eux, est-ce que les personnes valides ont même pour eux pour que vous ayez pour le vote, comme si c'était une faveur. Vous trouvez que c'est C'est une normal question que qu'on j'ai déjà puisse posée. d'abord s'occuper? Vous Non, il pensez a que compris. vous avez. Hein? Les personnes, vous n'avez même pas, les personnes valides n'ont même pas pour eux. Vous croyez que vous allez avoir pour vous? Est-ce que ce n'est pas idiot? Ce n'est pas diabolique, ça. Je suis aux Voilà. États-Unis, nous avons une carte des personnes handicapées, que vous soyez millionnaire ou même si vous êtes millionnaire ou que vous soyez pauvre, le gouvernement vous donne une carte d'invalide qui vous permet de voyager d'un coin des États-Unis à l'autre avec le train, le métro, avec votre famille. J'ai l'assurance maladie avec ma famille. On me soigne. Avec ma famille, gratuitement. Les personnes handicapées aux États-Unis ont une pension d'invalide qui remonte à plus de 900 dollars, soit l'équivalent du salaire d'un ministre bien, un ministre qui gagne honnêtement sa vie. Parce que la personne handicapée coûte cher. L'aide à la mobilité coûte cher, mon gars. Les béquilles coûtent cher, le fauteuil roulant coûte cher, etc. Allô?
Oui, quelqu'un m'appelle là-bas, tu vois, quelqu'un appelle. Bon, je disais que moi, quand je me suis battu pour les personnes handicapées au Cameroun, quelqu'un est en train de m'appeler à répétition là. Tu vois, c'est comme ça aussi, hein. Quand je commence le live, les gens savent que je suis en direct, ils m'appellent pour couper le live. Alors, quand j'étais professeur à Douala. Je me suis tellement approché pour la défense des personnes handicapées que ils m'ont affecté. J'ai eu une affectation disciplinaire. On m'a affecté au lycée technique de Nkonsamba, sachant qu'avec ma paralysie, je ne pouvais pas aller en Nkonsamba. Je suis rentré, j'ai contacté le responsable, le supérieur de celui qui m'a affecté et il a annulé l'affectation. 3 mois plus tard, j'ai tellement bougé Douala Yaoundé avec le collectif des associations des personnes handicapées que cela a valu, n'est-ce pas, on a démis le ministre des Affaires sociales de ses fonctions. Les droits des personnes handicapées, le Cameroun a signé des conventions pour la protection des personnes handicapées, mais cette catégorie de personnes n'est pas protégée. 10% de la population du Cameroun est constituée de personnes handicapées. 10%. 10%. Ça, c'est une bonne frange de la population qui est marginalisée. Moi, quand je suis professeur au Cameroun déjà. Beaucoup, quand j'ai lancé les personnes handicapées dans la rue pour la grève, on me disait, toi, tu es déjà professeur, tu gagnes déjà honnêtement ta vie. Qu'est-ce que tu fais avec ces handicapés? Vous voyez? Ils voulaient absolument me faire taire parce que je supportais, je soutenais ces personnes handicapées. On appelle ça la corruption Donc, il y morale. a beaucoup de travail. Oui, ils voulaient me corrompre. Et j'ai dit Moralement, non. Oui, j'ai dit non, je suis professeur, je gagne honnêtement ma vie, je n'ai pas besoin de vos jetons. Et c'est Ah comme oui. ça qu'il cherchait à m'abattre à chaque fois. J'ai eu la vie sauve grâce au bon Dieu Tout-Puissant qui m'a toujours Nos épargné ancêtres. de toutes ces histoires-là. Oui. Donc, nous allons nous battre pour que la situation des personnes handicapées au Cameroun change. Ce Très n'est bien. pas une faveur de respecter les droits des personnes handicapées. On doit le Voilà. faire ensemble, mon gars. On va le faire. On va le faire. Donc, On va le faire réfléchis. ensemble. Moi, je suis en vacances. Je suis prof, je suis en Oui. vacances. Il faut Très seulement me bien. contenter à l'inbox. Et qu'on Voilà. fasse une émission pleine, uniquement sur les personnes handicapées. Ça va intéresser Très beaucoup de bien. personnes. Oui. Voilà, je voulais juste te dire, avant que tu ne coupes, parce que, bon, par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, ce que l'internaute a écrit, c'est la même situation lorsqu'on parle de la sensibilité humaine, hein, et qu'aujourd'hui, nous sommes dans Oui. une révolution qui nous fait comprendre que les injustices sont à tous les niveaux et qu'aujourd'hui, on doit comprendre que ces gens-là, ça signale avant les cas, ces handicapés que nous-mêmes, on a bannis du système parce qu'on a accepté que le système les bannit, on a l'occasion aujourd'hui. Pour qu'ils puissent recouvrer, ils puissent recouvrer tout ce qu'ils ont comme Ah oui. Ah oui. C'est ça, c'est ça. Professeur. Voilà, Mario Tabé, bonjour depuis Bakassi, notre fidèle combattant depuis Bakassi. Bah, on pense à vous. On sait que vous êtes là-bas, ce n'est pas parce que vous avez voulu être, c'est qu'on vous a contraint peut-être. Hein? Peut-être vous sortez du nord-ouest, sud-ouest. On vous a contraint à être là-bas. Donc, quand on parlait du corps tout à l'heure, une partie du corps a traversé la frontière et se trouve de l'autre côté. Est-ce que nous qui sommes là, nous pouvons permettre qu'on coupe une partie de nous, on met au nord pendant que nous on vit avec l'autre partie au sud? Ce n'est pas normal.
Tout ça, ça fait partie des injustices que subit notre population. Donc, Mario Tabi, toi qui es l'ambassadeur, donc a dit l'ambassadeur, le canal, puisque je te vois très actif dans les réseaux, tu es à Bakassi, dis à tous nos frères et sœurs qui sont là-bas que nous sommes en synergie et que ce combat qu'on mène, c'est pour qu'on puisse finir avec la tyrannie machiavélique de Hitler Mbia, l'ennemi numéro un de la nation, pour qu'un jour, nous puissions être en chaleur, nous puissions être ensemble, pour que nous puissions revivre ensemble, pour que le vivre ensemble devienne vérité, que le vivre ensemble devienne réalité. Donc, mon cher Tabo, mon cher, nous sommes de tout cœur avec vous là-bas, aussi avec ceux qui sont dans les extrémités. Passe-les le message. Tu les fais comprendre que la bataille que nous sommes en train de démêler actuellement n'a ni ethnie, ni langue, que c'est une bataille nationale. Et comme nous sommes tous de la nation, nous convergeons tous les énergies ensemble pour que l'ennemi numéro un, la nation, puisse être crucifié par son peuple et que le reste du système puisse être brûlé vif devant le peuple afin que plus jamais un gouvernement pareil ne puisse penser à avoir la haine pour sa nation et son peuple. Donc, les chers combattants, c'est un grand plaisir. Voilà. Finalement, quelques deux combattants ont pris la parole aujourd'hui, ce qui est bien. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a, notre espace où nous, peuple, on peut venir converser, mais pas pour faire des diffamations ou entrer dans les pièges, parce qu'il y en a ceux. Voilà. Il y en a ceux qui écrivent parfois pour créer des polémiques, des provocations, pensant que bon, peut-être ils ont affaire aux enfants maniables. Bon, ici, nous ne sommes pas des activistes, nous sommes des révolutionnaires et nous avons ce devoir moral de pouvoir encadrer, structurer cette révolution, car ne croyez pas que peut-être c'est parce que vous avez vu le colonel Sow sur le terrain, vous aussi vous êtes les acteurs de cette révolution et ici vous avez votre page de réflexion où tous les jours nous pouvons converser, réfléchir ensemble. Je dis réfléchir parce que bon, certains confondent souvent réfléchir et puis stratégie. Réfléchir n'a rien à voir, stratégie. Si la réflexion est bonne, vous avez vu avec le grand tout à l'heure, on a causé, on dit inbox. C'est aussi clair que ça, les gars. Voilà. Le volume dérange. Oh là là. Non, c'est pas grave, professeur, on va se prendre inbox. C'est bon le son? Voilà, c'est bon? Voilà, certains disaient que le son était dérangé. Donc, comme je disais, pour conclure, voilà. Donc, nous sommes tous une même famille. Et voilà que notre ami Mario, qui est là au niveau de Bakassi, il est le canal de tous ces gens-là qu'on a rapatrié de leur propre nation. Comme nous aussi, on nous avait conditionnés à choisir d'être rapatriés. Mais eux, ce n'est pas la force, il est leur porte-parole. Donc, comment dire que le son était fini? C'est pourquoi je suis en train de répéter cela. Donc, Tabi, tu fais comprendre à tous ces gens-là que nous sommes de tout cœur. Et cette bataille, c'est pour que demain, nous puissions être ensemble dans cette nation et qu'on puisse s'embrasser et réfléchir ensemble pour son devenir. Voilà. C'est notre rôle en tant que peuple de la nation. Voilà. Donc, voilà. Donc, pour conclure notre bon séjour, je suis très content que notre frère, le grand frère, le professeur a parlé tout à l'heure, aussi le combattant qui a parlé aujourd'hui, parce que ici c'est notre espace. Ici c'est l'espace où nous, on parle, on réfléchit pour se booster d'énergie, parce que c'est ça qui va faire en sorte que lorsque nous sommes dans les réunions et tout, lorsque même si vous n'êtes pas là, étant conscient que constamment nous avons notre espace, je parle là-bas au nom du peuple, sachant que nous sommes constamment ensemble et qu'on partage ensemble. Nous avons besoin ici de la qualité, non de la quantité. C'est très important. Voilà. Donc, mes chers frères et sœurs, chères familles combattantes, beaucoup de bisous à vous. Bisous à toutes les Amazones qui sont là. Que ça aille tout droit dans vos cœurs. Voilà. Bisous à tous les combattants qui sont là. Voilà. Donc, avant notre prochain direct, on va annoncer et très prochainement, on va préparer un direct avec notre professeur. Merci bien et à très bientôt. Bonne journée. Ciao, ciao.